Bonjour à ceux qui se réveillent et bonne nuit à ceux des États-Unis qui s'apprêtent à dormir. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. On attend les autres. Venez, on va décrypter. Spécial décryptage. On veut juste comprendre ce qui se passe. Venez, venez, partagez le live. Vous savez que la page est restreinte. Moi, personnellement, je ne peux pas partager. Bipez les voisins. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce rebondissement après tant d'années? Bonjour à tous. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Bonne nuit à ceux qui s'apprêtent à dormir. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Passez le message aux voisins. Bonsoir, bonsoir Sandrine. Comment tu vas, Sandrine Kalamba? J'espère que tu as fait à tes petits frères jouer la loterie américaine, jouer massivement. Parce que ça va fermer bientôt, hein, dans peut-être 2 semaines. Ça va fermer. Donc jouez. Jouez. Appelez vos frères. Appelez vos frères qui sont restés en Afrique de jouer. Ceux qui sont sur la route du Bosa, vous pouvez jouer également. Ceux qui sont dans les pays comme le Maroc, la Tunisie, tous ces pays-là qui aspirent un jour entrer en Europe, jouer massivement. On ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau, jouer. C'est aussi ma façon de contribuer. À aider aussi mes jeunes frères, mes jeunes sœurs. Jouez massivement, jouez, 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 jouez. Invitez vos familles, jouez. Jouez, 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 jouez. Le lien est là dans ma page. Continuez de m'envoyer les messages inbox, sur WhatsApp surtout, parce que je reçois plein de messages sur Messenger. Sur Messenger, je ne lis pas généralement. Si quelqu'un, moi, je réponds à tous mes messages sur WhatsApp. Quand c'est sur WhatsApp, je réponds à tout le monde, je réponds. Mais si c'est sur Messenger, c'est pas possible. Je peux pas répondre à, je ne parle pas sur Messenger. Donc, il y a plein de messages que les gens laissent sur Messenger, mais généralement, je ne parle pas sur Messenger. Si vous avez un sujet, quelque chose que vous voulez vraiment me contacter, ou alors me dire, ou vous voulez peut-être une information de moi, écrivez-moi sur WhatsApp. Messenger, je ne peux jamais, je ne vois pas. Donc, si vous écrivez sur Messenger et je ne réponds pas, ne dites pas que je suis mine. Ne dites pas que je ne veux pas répondre aux gens. Non, c'est que je ne parle pas sur Messenger, en fait. Mais je réponds à tout le monde sur WhatsApp. Actuellement, j'ai déjà envoyé le lien au moins à 3 000 personnes. Et je ne me fatigue pas d'envoyer. Parce que je sais que parmi les 3 000 personnes que je suis en train d'envoyer le lien de jeu, Dieu va bénir au moins 100 parmi. Et ce serait une grâce. Ce serait une grâce. Donc, jouez massivement. Continuez à jouer. Ne vous attardez pas trop dans le Kumbusa de Facebook. Ne vous attardez pas trop dans le Japap. Il faut faire le Japap, mais un moment, se réveiller, penser à sa vie aussi. Penser à son avenir. Penser à demain. Parce qu'il ne faut pas demain vous dire que oh, c'est les vieilles mères de Facebook là qui nous ont foutu la vie en l'air. Parce que vous êtes sur Facebook. Vous êtes scotché sur Facebook. Les années passent. Vous êtes là. Vous ne regardez, vous ne réfléchissez pas que vous allez faire comment pour vous en sortir de vos vies. La loterie américaine n'a pas d'âge. Même si tu as 60 ans, tu as le droit de jouer. Il faut jouer. Tant qu'on vit, on rêve. Tant qu'on vit, on a de l'espoir. La mort, c'est la fin de toute chose. Mais tant que tu es vivant, tu peux toujours rêver. Il est permis de rêver. Et l'Amérique, c'est un pays d'opportunités. L'Amérique ouvre les portes à tout le monde, on s'en fout de l'âge. Tu viens ici à 60 ans, tu vas encore aller à l'école. La mairie te paye l'école et tu pars. Si tu veux être docteur, la mairie, ils s'en foutent de ton âge. Ils te payent l'école et tu réalises ton rêve. C'est le pays des rêves. Le pays des grandes opportunités. Le pays que tu peux partir de zéro pour réaliser ton rêve le plus fou. Donc, battez-vous, battez-vous, jouez. Jouer, c'est gratuit.
Il y a des gens qui m'appellent, disent Dorcas, j'ai eu un site, on me demande d'utiliser ma carte bancaire, c'est de l'arnaque. C'est faux. N'allez pas dans ce site-là. Je vous ai donné le site original, de la page originale de USCIS. Partez jouer, c'est gratuit. Insultez-moi comme vous voulez sur Facebook, mais après, pensez à votre vie. Venez en inbox, dites « Maman Dorcas, Tata Dorcas, donne-moi le lien ». Plein de gens qui bavardent trop sur Facebook, là, ils viennent en inbox, je leur donne. Je leur donne. Donc, venez massivement. Jouez. Au lieu de partir Boza, les beaux ailleurs, là, jouez massivement. Même ceux qui sont déjà arrivés en Europe, qui ont Boza, jouez. Si vous gagnez à partir de la France, vous montez vos dossiers, vous allez venir aux États-Unis. La loterie américaine, ce n'est pas pour ceux qui sont restés en Afrique, quelle que soit ta position. Mais quand tu joues, on va te demander que quel est ton pays d'origine et où est-ce que tu résides. Tu vas dire mon pays d'origine, c'est soit le Cameroun, mais je réside en France. Ça veut dire que quand tu gagnes la loterie américaine, tu n'as pas besoin de rentrer au Cameroun, monter les dossiers. Tu restes en France et tu fais tes dossiers et tu arrives. Donc, jouez massivement. Invitez vos frères au pays. Invitez les enfants des voisins. Vous ne perdez rien. La bénédiction aussi, c'est ça. Passez le message à d'autres. Les enfants même de vos quartiers que vous savez qu'ils sont allés à l'école, ils traînent au quartier, ne font rien. Envoyez-leur le lien de jouer. Ils n'ont pas besoin d'aller dans les cybercafés. En moins de 30 minutes à la maison, ils jouent. Jouez massivement. Mon WhatsApp est dans ma page Facebook. La page, c'est mon WhatsApp, c'est le 01-346-255-0819. Je répète, mon WhatsApp, c'est le 01-346-255-0819. Écrivez-moi juste Tata Dorcas, pardon, je veux le lien dans les minutes. Même si je ne suis pas connectée à l'instant, quand je vais me connecter, tous les messages, même si c'est 3000 messages, j'envoie à tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Même si vous envoyez, je ne réponds pas immédiatement. Ne paniquez pas. Dès que je vais me connecter, vous aurez vos messages. De vos liens de la loterie américaine et jouer. Jouer. L'année prochaine, à pareil moment, revenez nous faire les témoignages de ceux qui ont gagné. Ça nous ferait plaisir de savoir qu'on a aussi impacté la vie de certaines personnes. Jouer massivement. Ceux qui n'ont pas des adresses aux États-Unis, cherchez les familles, cherchez les gens aux États-Unis. Prenez un quelconque adresse, parce que maintenant, les choses ont changé. Avant, quand tu donnais une adresse, c'est là-bas qu'on envoyait ton courrier, mais ce n'est plus comme ça. Maintenant, quand tu joues et tu as gagné, on t'envoie le message que tu as gagné dans ton email. Vous savez, avant, en Afrique, les gens sont très méchants. Quand tu utilisais la boîte email d'un oncle, d'une cousine, de quelqu'un, dès que ton courrier arrive, il s'assoit sur ça. Il ne te donne pas. Il y a beaucoup de gens qui ont raté leur loterie comme ça alors qu'ils avaient gagné. Mais la méchanceté de l'homme noir, ils ont bloqué, ils n'ont jamais montré. Donc l'Amérique a eu trop d'informations par rapport à ça. Ils ont changé les choses. Maintenant, quand tu gagnes, on t'envoie ça dans ton email. Email adresse. Donc ton email que tu vas utiliser pour jouer. Rassure-toi que c'est un email que si on t'envoie un message, tu peux recevoir. Donc, quand tu gagnes, on t'envoie le message dans ton email. Même si tu as utilisé un numéro, parce qu'il t'offre une adresse aux États-Unis. Quelle que soit l'adresse que tu as utilisée, ce n'est pas un problème. Le tout, c'est d'avoir, si tu gagnes, de te battre avec le visa. Quand tu entres aux États-Unis, si tu n'as plus le contrôle de cette adresse-là, quand tu vas faire ta paperasse à Homeland Security, au budget des United States of America, on va te demander que est-ce que l'adresse que tu avais mise, c'est l'adresse correcte par laquelle on peut t'envoyer ton courrier. Si tu dis non, maintenant tu donnes une adresse que tu sais que tu peux recevoir. Entre-temps, si tu as gagné, tu commences à chercher quelqu'un de fiable qui peut te donner une adresse. Oui.
tu commences à chercher quelqu'un de fiable. Si le moment là tu as gagné, tu n'as pas quelqu'un pour te donner une adresse, tu m'écris inbox que maman Dorcas, j'ai gagné, mais je n'ai personne aux États-Unis pour recevoir, pour une adresse fiable pour recevoir ma green card. Je peux te créer une adresse à n'importe quel post office avec mon nom. Tu arrives. Si tu arrives, je ne sais pas par quelle ville tu vas arriver. Hein, Matcha? Tu as chaud. On appelle ça comment? Ah non, Mané, pardon, couvre-toi. Mané, couvre-toi. Tu as froid? Non, j'ai pas froid, mamiton. Couvre-toi. Prends la couverture, Matcha, s'il te plaît. Pardon, maman. Prends la couverture. Prends la couverture. Il y a une grosse couverture là-bas. Tu te couvres. Tu as compris, mamiton. Pardon, Matcha. Donc, tu m'écris inbox, tu me dis, maman Dorcas, j'ai gagné, mais je n'ai pas. Parce que c'est très important quand tu entres aux États-Unis que tu aies une adresse là où on va t'envoyer ta green card. Parce que quand tu entres, mon petit frère qui est arrivé l'autre jour, il a gagné la loterie américaine. On l'a déjà envoyé son social security. Et ça ne fait pas une semaine comme il est là. Donc, c'est très important que quand tu gagnes, quand tu arrives, que tu aies une adresse. Parce que sinon, tu vas perdre tes papiers. Tu ne vas pas savoir là où on t'a envoyé tes papiers. Donc, si tu es coincé à la dernière minute, écris-moi, je ne vais pas t'abandonner. Je trouverai les solutions. Comment je peux faire pour te trouver une adresse afin que tu puisses recevoir tes papiers quand tu seras arrivé. Quel que soit l'état que tu vas atterrir, je verrai si je peux avoir une amie là-bas. Je vais passer les coups de fil. Voir comment on peut t'aider. Et puis Facebook aussi impacte beaucoup. Je vais venir à Facebook, je vais dire voilà, il y a un de nos frères qui a joué la loterie l'année passée, il a gagné. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cet état qui peut l'aider à utiliser sa boîte email juste pour recevoir ses papiers? On peut s'aider comme ça là. Ça ne coûte rien, ça ne tue personne. Juste libre ta boîte email que si ses papiers viennent, tu récupères, tu lui donnes et il se cherche. Ça ne tue pas à aider. Donc, jouez massivement. Je vous souhaite bonne chance. Jouez, les gens gagnent chaque année. Je vous ai dit, parlez de mon petit frère qui a eu la semaine passée, il a gagné. Jouez massivement. Jouez. Ne vous découragez pas. Jouez. C'est une opportunité. Jouez. Vous avez eu la chance que cette année, je suis sur Facebook. Je vous donne le lien original. Pas les trucs que ça circule dans les WhatsApp, les faux trucs que les gens arrangent au quartier. Non. C'est le lien original. Tu n'as pas besoin de payer 5 francs. Ça ne te prend pas 30 minutes pour jouer. On te pose maximum 5 questions. Ton nom, ta nationalité, la ville là où tu habites, ton âge, ton niveau scolaire. Avant, on disait que c'est niveau bac. Ce n'est plus seulement niveau bac maintenant. Niveau bac, c'est bon, mais si tu as une formation professionnelle, ça veut dire quoi? Si tu es couturier, tu as fait une formation en couture, même si tu n'as pas le CPE, et que tu as une formation professionnelle, que tu as fait la couture, tu as fait la menuiserie, tu as fait la mécanique, et que tu as un diplôme qui peut prouver. Mais tu gagnes. Sur le Cameroun, est-ce que le diplôme va te dépasser à trouver? Donc, jouez massivement. Tentez votre chance. Laissons le Japap de Facebook. Ne vous focalisez pas sur le Japap de Facebook. Vous, les jeunes, c'est vous l'avenir de demain. Les jeunes, là, c'est vous la relève de demain. Si vous restez à vous endormir sur Facebook, qui va bâtir l'Afrique de demain? Qui va bâtir le Cameroun de demain? Donc, si une journée a 24 heures et tu passes 18 heures sur Facebook, c'est un problème très grave. C'est un problème très grave. Ta priorité doit être ton avenir d'abord. Facebook doit être en second plan. Parce que Facebook ne te rapporte rien. Tu es là, tu es scotché, tu pars de live en live. Dans les faux profils. En train d'insulter les vieilles mamans qui n'ont plus rien à offrir. Les vieilles mamans qui ont fini leur vie déjà. Pourtant, tu devais te concentrer sur ta propre vie. À dire que tu vas faire comment pour t'en sortir. C'est ça. On peut faire le désordre qu'on fait sur Facebook. Moi, avant, je n'étais pas sur Facebook. J'étais concentrée d'abord à bâtir ma vie, élever mes enfants, à me préparer ma retraite.
comme je vous dis toujours, je peux me pavaner sur Facebook aujourd'hui. Je peux faire ce que je veux sur Facebook. Mon mari ne peut pas. Il peut juste me dire, non, maman, tu vas l'eau. Mais il ne peut pas m'empêcher. Il sait que j'ai travaillé. Il sait que j'ai été une femme-homme à côté de lui. Il sait qu'on sort de loin. On a bâti. On s'est assis. On a élevé les enfants. Il me laisse me faire plaisir. Ce qui me plaît, il me dit, maman, fais ce que tu veux. Parce qu'il sait que j'ai travaillé. Il me laisse. Donc, moi, je vous encourage. Ne regardez pas les histoires de Facebook. Entre Facebook et la réalité, il y a un grand fossé. Vous avez compris, mes jeunes petits frères et petites sœurs. Entre Facebook et la réalité, il y a un très grand fossé. Facebook, c'est le virtuel. La réalité, c'est la réalité. Donc, je vous encourage. Invitez vos familles. Invitez les voisins. Passez le message à tout le monde. Ne dites pas non. Si je donne à tel, il va aller jouer. S'il est bien, moi, peut-être je peux. Non. Un bien que tu fais n'est jamais perdu dans la vie. Fais-le. Fais-le même si en retour, tu ne gagnes rien. Dieu a vu le bien que tu as fait. Il saura te récompenser. Il saura te récompenser. Fais-le. Fais-le faire. Ne regarde pas, même si les gens t'ont déçu n'importe comment. Si tu as l'opportunité de faire du bien, continue à faire du bien. Si tu ne récoltes pas, tes enfants vont récolter. Ou les enfants de tes enfants vont récolter. Donc, c'est ça. Comment jouer à la loterie américaine? J'ai donné mon numéro WhatsApp. Tu m'écris sur WhatsApp et je t'envoie le lien. Je veux faire un autre live parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Dorcas, pardon, traduis-nous ça, c'est en anglais. » Franchement, moi, je travaille toute la journée. Quand vous allez encore me dire « Dorcas, viens traduire. » Je vais encore venir m'asseoir là comme ça pour commencer à traduire. Donc, je veux faire un spécial live là où je vais ouvrir le lien. Donc, je vais aller pas à pas. Ce n'est même pas près de... Ça n'atteint même pas cette question. Le plus dur, c'est télécharger ta demi-carte photo parce que il y a un genre de photo qui demande les demi-carte de passeport. Et donc, tu dois aller là où on prend les cartes passeport là. Ils ont leurs critères. Tu filmes et tu sauvegardes dans ton téléphone comme ça, ou dans ton ordinateur. Quand tu joues, tu as déjà ça dans ton ordinateur. Le moment qu'on dit que dans la photo, tu télécharges seulement. Maintenant, on ne demande même plus les numéros de passeport. Parce que quand Trump était venu, Trump a exigé qu'on ajoute les numéros de passeport. Ça a bloqué plein de gens. Parce qu'en Afrique, beaucoup n'ont pas de passeport. Mais Biden est venu, il a enlevé ça. On n'exige plus le numéro de passeport. Donc, jouez. Jouez. Ne venez pas seulement clasher sur Facebook. Ne venez pas seulement clasher. Pensez aussi à vos vies, sortez des faux profils, ça ne vous aide en rien. Je vous jure, ça ne vous aide pas. Allez de page en page, dites que vous êtes en... Je suis de tel type, je suis de tel type, je suis de tel... Les années passent, tu es là. Ça ne t'aide en rien. Tu crois que ça t'aide. Parce que la team que tu as envie de suivre, là, c'est les gens qui n'ont plus rien à offrir à la société. Elles ont déjà roulé leur bosse. Mais toi, tu as encore l'espoir de ta famille. Tu as encore l'espoir de la société. Tu as encore l'espoir de l'Afrique. C'est vous de la relève de demain. Sortez des faux profils. Sortez des faux profils. Allez faire quelque chose de vos vies. C'est sérieux. Vous voulez, vous venez là, vous m'insultez, vous dites ce que... Vraiment, je ne peux que vous dire la vérité. Parce que vous allez bavarder aujourd'hui jusqu'à demain. Ça ne va rien changer sur ma vie. Ça ne va rien enlever sur moi. Mais tout au contraire, vous perdez votre temps sur Facebook. Bonne arrivée à vous tous. Les études, je voudrais dire. Non, il n'y a plus de niveau. Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas. Si tu niveau bac, oui. Ou alors pour formation professionnelle, oui. Niveau licence, oui. Doctorat, oui. Master, oui. Donc, tous les niveaux. À partir de bac à montant ou une formation professionnelle. Si tu es mécanicien, si tu es menuisier, si tu es quoi, tu es la bienvenue pour jouer à la loterie américaine. C'est un peu ça. Vous avez compris, non?
Bon, maintenant, il y a le sujet du jour. Je vais m'excuser, j'ai travaillé vraiment. C'est que j'avais déjà prévu le live, sinon je ne devais plus faire. Vous voyez comment je parle, même je suis un peu fatiguée là. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet qui est « Fleur de Lys est-il victime de la guerre des présidents de Paris ?» Paris, vous savez, c'est Facebook, maintenant on ne prononce plus le nom des gens. On va appeler le père protagoniste qui est venu se plaindre par Ré. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelait avant. Est-il vraiment innocent dans cette affaire? Et pourquoi ce rebondissement après tant d'années? Vos avis comptent. Je veux d'abord que vous entrez dans le live, que chacun dise ce qu'il pense. Et après, maintenant, je dirai ce que je pense de cette affaire. J'attends les invitations. Entrez dans le live et donnez votre avis. Entrez dans le live. Moi, je suis un électron libre. Et je suis un électron libre. Je suis impartiel. Ça veut dire que je ne veux pas prendre de parti pris. Mais la vérité doit être dite. Et on doit rétablir la vérité. Parce qu'il y a trop d'ombres flou dans cette histoire. J'ai eu le temps de m'asseoir, d'essayer d'analyser cette histoire. J'étais sur Facebook quand cette histoire se passait. J'étais sur Facebook. J'ai vécu cela de bout en bout. Ce qui m'étonne maintenant, c'est pourquoi aujourd'hui cette affaire ressurgit. À peu près de 5 ans, c'est une vieille histoire de depuis, je crois, 2015-2016. Hein? Je sais qu'à l'époque là, il y avait deux protagonistes sur la toile. Écoutez-moi bien. À l'époque, il y avait 4 protagonistes sur la toile. Il y avait Fleur de Lys. Il y avait Compressor. Il y avait le Prési Amout. Il y avait Paréré. Voilà les 4 protagonistes. Prési Amout et Paréré bagarraient la position de président de la diaspora. C'était une guerre ouverte. Tous ceux qui étaient sur la toile ne peuvent pas me dire le contraire. C'était une guerre, alors là, une guerre sans merci. Du côté de Paréré, il avait une fan supportrice qu'on appelait Compressor. Du côté de Prési Amout, il y avait celle qu'on appelait Fleur de Lys. Et tous les coups étaient permis. Écoutez-moi bien. Est-ce qu'il y a les gens de cette époque? Parce qu'on doit dire la vérité. Moi, je vous dis, entrez dans le live. Je veux que vous parlez d'abord avant que je me prononce. Parce que moi, me prononcer maintenant, on va dire que non, je ne suis pas... Je veux d'abord prendre les avis des gens. Parce que, amen. Quand moi je vais donner mon avis, les gens vont... La vérité va être rétablie. Est-ce que moi j'ai besoin de trop parler? Je vais seulement donner les quelques détails que nous tous, ça va nous mettre d'accord. Et on va décrypter ce qui se passe. On va décrypter. Hein? Si vous ne voulez pas donc entrer dans le live, moi je vais donc parler. Je vais donc décrypter. Je vais parler. Donc, comme je disais, c'est une affaire qui date peut-être de 2015. Il y avait une guerre dans Paris. Paréré était celui à l'époque qui était connu comme le président de la diaspora. Le président Amout.
Je ne sais pas s'il sortait de l'Espagne ou il sortait d'où. Il vient à Paris, il veut prendre le pouvoir à Paris. Il veut prendre le pouvoir à Paris. Oui, il fait la pluie, le beau temps. Mais il a besoin d'un allié de taille. Parce que pour dire vrai, Paris était aussi un homme qui contrôlait la diaspora. Il n'était pas aussi facilement détrônable. C'est comme ça que le président Amadou s'assoit, il étudie, il voit que la personne qui pouvait lui donner la visibilité qu'il voulait. C'est vrai qu'on le connaissait, hein? C'est vrai qu'on le connaît, mais pas comme quand il a connu Fleur de Lys, il a fait le boom. C'est Fleur de Lys qui fait qu'on connaît quelqu'un qu'on appelle Amadou. Président Amadou. C'est comme ça qu'il se rapproche de Fleur de Lys. Il prend Fleur de Lys, fait de Fleur de Lys son allié. Paris aussi veut garder son pouvoir dans Paris que c'est lui le président. Amout est déterminé à le détrôner. La guerre s'ouvre. Une guerre sans merci. Et quand Compressor, à l'époque, Compressor est en guerre avec Fleur de Lys parce qu'elle défend Michel Essomba. Quand Compressor se rend compte qu'elle est alliée maintenant que Fleur est alliée avec Paréré. Compressor, rien que pour s'opposer à Fleur, parce qu'elle était déterminée à en découdre avec Fleur et s'opposer à Fleur à tous les prix et à tous les coups. C'est comme ça, donc, elle passe à lier avec Paréré. Elle commence à défendre Paréré. Elle fait sa première sortie quelque part où c'était dans le 17e là-bas, où elle dit que c'est le président des beaux-ailleurs, que ce n'est jamais le président de la diaspora, que c'est le président des beaux-ailleurs, voilà la guerre, que son président c'est Paréré, et que elle commence à citer les choses qu'il lui a fait et tout, et raconter comment, hein, machin, que c'est le seul président. Voilà la guerre qui commence entre elle et Fleur. Michel Essomba, maintenant, sort de l'histoire et se repose. Écoutez bien ce que je dis. Parce que c'est très important. Que la vérité soit rétablie. Je vais être très cohérente dans cette affaire et vous allez écouter. Voilà la guerre maintenant qui commence entre Fleur de Lys et Compressor. Parce que chacun veut installer son président dans Facebook. Compressor a lavé Président Amadou. Elle les a traînés dans la boue. Elle les a fait ça de la belle des manières. En riposte aussi, Fleur de Lys frappait fort aussi sur son président. Il faut que vous sachiez ce qui s'était passé. C'était une guerre. Pendant que Compressor est en train de déshabiller le président de Fleur de Lys. Fleur de Lys utilise aussi toutes les armes possibles pour frapper aussi son président. Afin que le meilleur, que son président s'installe. Et il y avait des coups bas. Il y avait tout genre de coups. Il y avait tout genre. Parce que beaucoup croient que peut-être Fleur se levait un matin comme ça là. Elle a commencé à clasher Paréré comme ça, là, sortant de nulle part. Ce que je veux rétablir ici, c'est que c'est parti de quelque part pour qu'ils en arrivent là. C'était une guerre et que Paréré lui-même était protagoniste de cette guerre. Il faisait les lives avec Compressor, sachant que Compressor
insultait sérieusement le couple Amoto. Amoto aussi faisait les lives avec Flor Delis, sachant que Flor Delis aussi insultait sérieusement. C'était une guerre qui était sur Facebook. C'était une guerre que si quelqu'un avait l'occasion de finir avec l'autre, je vous jure, l'épaule là sur le corps de quelqu'un n'est pas tombée. C'est que je ne crois plus qu'il y ait une guerre sur Facebook que la tête de quelqu'un va rester. C'était grave. C'était grave. Tout ce... Parce que c'est important de dire la vérité. On doit tuer quelqu'un, mais avant de tuer la personne, hein, moi, j'ai dit que je suis un électron libre. Je ne fais partie d'aucune team. Mais on va rétablir la vérité. On va dire aux Camerounais ce qui s'est passé exactement à cette époque-là. Souligner d'abord que c'était une guerre que lui-même, le père, la parère, était protagoniste et il alimentait cette guerre en soutien de Compressor. Compressor doit faire une sortie, elle doit venir parler parce qu'elle connaît cette histoire. Ils ont fait du sale, Compressor avec Barere. Flor et Amout ont fait du sale. Chacun commanditait sa star d'aller faire le travail. Flor paye le prix fort dans cette histoire. Pourquoi? L'avantage que Compressor a, c'est que Amout n'est pas venu sur Facebook avec son vrai nom. Il est venu sur Facebook avec un pseudo nom qu'on l'appelait Prezi Amout. Prezi Amout, ce n'est pas son nom, ce n'est pas dans son acte, ce n'est pas dans sa carte bancaire. Par contre, Parere est venu sur Facebook avec son nom qui était dans sa carte bancaire. Donc, pendant que Compressor faisait du sale, Prezi Amout, Flor utilisait le nom original de Parere parce qu'il n'avait pas un autre pseudonyme. Maintenant, les deux présidents déportent leur guerre de Paris pour le Cameroun. Chacun veut maintenant montrer au Cameroun sa force de frappe. Parere veut prouver que c'est lui, il a le pouvoir plus que Prezi Amout. Prezi Amout aussi veut lui prouver qu'au Cameroun, il ne peut pas parler là où il parle. Donc, il déporte les guerres de l'Europe pour le Cameroun. C'est comme ça que Prezi Amout fait arrêter Compressor au Cameroun. Mais Compressor s'en sort pourquoi? Parce que Prezi Amout, ce n'est pas son nom. Prezi Amout n'est pas dans son passe, dans sa carte dentée. Quand il arrête Compressor et on relâche Compressor, Parere pas aussi fait un mandat. Il peut porter plainte à Interpol, à Flor. Flor arrive au Cameroun. Elle a beaucoup hésité pour partir. Après, elle a dit que non. Même si c'est quoi, mieux, elle paye la fronde. Elle gère ça, même si c'est la prison. C'est comme ça qu'elle prend son vol. Elle part au Cameroun. On la prend. Interpol la prend. D'où l'affaire de procédure et de tout que vous entendez là. Flor est victime parce que quand elle faisait son clash, elle utilisait le nom original de Parere. Vous avez compris l'histoire. C'était une guerre des présidents. Parce que les gens vont croire qu'elle s'est levée comme ça, là. Il faut rétablir la vérité. Elle est venue seulement commencer à insulter. Et pendant les clashs de Mbengla, c'est là où chacun utilisait ce qu'il pouvait. Le groupe de Compressor, ils sont allés sortir une presse là où on montrait qu'on avait arrêté Prezi Amout, qu'il avait fait la prison, qu'il était un bandit. Ils ont sorti des choses. Qu'il était un bandit, un voleur de crédit carte. Tout ce qui est collé sur lui maintenant. C'était la période là, les Compressors, avec son groupe là, qui ont
traîner toute cette casserole-là derrière Préziam. Flo aussi, à son tour, elle utilisait les mêmes armes que le camp d'en face aussi utilisait. Comme elle est dans la pimenterie, elle a utilisé les armes de la pimenterie aussi pour salir aussi Paré. C'était une guerre que tous étaient dedans. Chacun voulait en découdre avec l'autre. C'était une guerre entre eux. La guerre des présidents de la diaspora. On doit dire la vérité. Il n'y a personne qui était innocent là. Tous étaient des protagonistes. Tous tissaient les ficelles dans le noir. On a vécu tout ça sur Facebook. On a vécu tout ça sur Facebook. Je ne suis pas en train de dire que Flo est une victime. Flo n'est pas une victime. Mais je dis que ce qui s'est passé, c'était une guerre. Que tous les, et il y avait deux camps et tous les coups étaient permis. Flo a utilisé la pimenterie pour faire des montages avec les virus Lydia qui vient raconter du n'importe quoi aujourd'hui là. Avec les virus Lydia, ils ont fait des montages sur Paris. Compresseur et sa bande ont aussi fait des montages sur Préziamo. Tous les trucs que vous entendez qu'on parle de Préziamo sur la toile aujourd'hui, qu'il était bandit, c'est un voleur de crédit card, sa femme était une danseuse de striptease. On a même sorti le... Oh, ils sont même allés jusqu'à sortir l'ancien mari de la femme de Préziamo. Jusqu'aux photos du mariage qu'elle avait fait dans son premier mariage. On a cru... C'était fort sur Facebook, je vous dis. Sur le moment-là, quelqu'un n'est pas mort sur Facebook, je ne vois plus un baiser que quelqu'un va mourir. C'était le higher level. C'était une autre dimension. Ils se donnaient les rendez-vous de bagarre. Pendant que le camp de Paré faisait du sale, écoutez-moi bien, on doit rétablir la vérité. Ok. On doit rétablir la vérité. Pendant que le camp de compresseur faisait le sale, parce qu'eux-mêmes, ils ont fait le sale, hein? Ne vois pas comment Flore et Compressor sont des amis aujourd'hui. Ils ont fait fort sur Facebook. Amota souffert, Amota, sa femme, a souffert dans les mains de Compressor et sa bande, parce que c'était une bande. Paré en tête, Compressor qui était là pour soutenir son président. Et il y avait maintenant... Flo qui avait aussi son président. Et tous les coups étaient permis. Flo a utilisé les armes que le camp d'en face a utilisées. Le camp d'en face, ils ont sorti des choses sur Amot. Tout ce que Amot traîne aujourd'hui derrière lui sur Facebook, c'était le camp de Paré qui a sorti tout ça sur lui. Avec Compressor. Le camp d'Amot aussi devait faire comment? Ils ont aussi fait des montages. Je ne justifie pas, je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils ont fait est une bonne chose. Mais je dis, je rétablis les faits et j'explique ce qui s'était passé. Parce que pourquoi Flore de Lis n'a pas fait ça à quelqu'un d'autre? Pourquoi il n'a pas choisi un autre homme? C'est parce qu'ils étaient dans leur guerre de président et jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans la guerre de président. C'est pourquoi quand tu vois Amot, il porte plainte à mes camarades, Paré ressort pour montrer à Amot qu'il a les relations au Cameroun. Il fait tout pour qu'on laisse à mes camarades. Ils sont dans cette guerre jusqu'à aujourd'hui. Cette guerre continue jusqu'à aujourd'hui. La seule chose qui a tué Flo, c'est qu'elle faisait sa part, elle prononçait son nom qui était dans son acte de naissance. C'est ça qui lui vaut ce qui est là aujourd'hui. Pourtant, Compressor a fait plus pire.
Elle a fait plus pire. Ils ont fait fort. Je suis plaisir à moi. Mais elle n'a rien écopé. Parce que Prezi Amout, ce n'est pas son nom. Si elle avait prononcé le nom de... Elle, il l'a fait arrêter au Cameroun et on la relâche parce que ce n'est pas son nom. Prezi Amout, ce n'est pas son nom. Flo se retrouve dans les sales draps parce qu'elle a prononcé le nom du monsieur. Après, quand elle a vu que le monsieur l'avait porté plainte au Cameroun, elle n'était pas encore partie au Cameroun, c'est là où Flore crée le nom de Paréré. Qu'elle ne prononce plus son nom, mais c'était déjà trop tard. Parce qu'il y avait plein de vidéos là où elle prononçait son nom et elle disait des choses avec les virus Lydia. Vous avez compris? C'est ça qui vaut à Flore. Mais au départ, c'était une guerre des présidents que Flore a acheté parce qu'elle soutenait son président. Aujourd'hui, elle est en train de lécher le piment. Et le président pour qui elle bagarrait, il est tranquille chez lui. Elle a 10 millions collés sur son dos. Il est tranquille chez lui. Mais elle bagarrait que pour lui. On doit dire la vérité. Moi, j'attire votre attention. Voilà ce qui s'est passé. Et le moment-là, Lolo et Compressor étaient comme ça. Lolo supportait Compressor. Lolo aussi a fait des sorties contre Paréré à l'époque. Des sorties très virulentes contre lui sur Facebook. Parce que c'était un groupe, c'était les alliés. Vous comprenez ce que je vous dis? C'était des alliés. Et Flore de Lis devait aussi protéger son président. Elle a fait ce qu'elle a pu pour remporter la victoire avec son président. Mais comme on dit que le virtuel et la réalité, il y a un grand fossé, ça la rattrape aujourd'hui. Ça la rattrape. Ça la rattrape parce qu'elle a prononcé le nom du monsieur. Mais elle n'a pas fait plus pire que ce que le camp du monsieur a fait à Prezi Amout. Si je manque, qu'il vienne démentir. Son camp, lui à lui, et toutes ses acolytes qu'il avait à l'époque là, qui étaient Compressor et Lolo et plein d'autres. On fait plus pire. Maintenant, parce que quand les gens viennent sur Facebook, vous venez, moi je viens sur Facebook, je clash, non. N'importe quoi que je vais couper sur Facebook, est-ce que je vais accuser quelqu'un? C'est quelqu'un qui m'a amené sur Facebook. C'est quelqu'un qui m'a dit de venir clasher sur Facebook. Quand tu viens sur Facebook, tu dis que tu clashes, attends-toi au retour. Tu t'attends au retour. Vous croyez que n'importe quoi qu'on peut me faire à Facebook, on va me caractériser, on va faire quoi? Je peux me plaindre, je vais me plaindre à qui? Quand tu vas te plaindre, on va te dire que merci sur le travail que vous avez pris pour faire à Facebook, non? Même à mon mari, peut me plaindre. Il va me dire que qui t'avait envoyé sur Facebook? Quand tu es parti, tu m'as dit que tu partais. Va assumer tes choses là-bas. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il est victime? Venez me répondre. Après tout ce que j'ai expliqué là, laissez le fanatisme. Laissez que non, je supporte tel, je supporte tel. Regardons la vérité. Il faut leur rétablir la vérité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Et la guerre la continue jusqu'à aujourd'hui. Regardez quand Prezi Amout porte plainte à Ahmed Kamé. Paréré se lève directement. Il commence à appeler tous les généraux du Cameroun. Il commence à dire comment il connaît les procureurs. Il connaît. Parce qu'il veut montrer à Prezi Amout qu'au Cameroun, il ne le peut pas. Prezi Amout veut aussi lui montrer qu'il lui a battu dans la diaspora. Même au Cameroun, il va le battre. Avec les relations. C'est une guerre qu'ils ont depuis des années. Une guerre. Et dans toute cette guerre-là, la personne qui est en train de prendre le piment de ça, c'est Flore. Parce que l'erreur fatale qu'elle avait commise, c'est de prononcer le nom du monsieur
Mais il n'est pas sain dans cette histoire. Il a aussi fait du sale avec sa bande. Parce qu'il va maintenant venir dire aujourd'hui que oh, il a été traumatisé, sa famille a été traumatisée, quoi a été traumatisé. Si Préziamo se lève aussi sur les vidéos de tout ce que Compresso avait fait, est-ce qu'il n'a pas été traumatisé? Question. Préziamo n'a pas été traumatisé. Hein? Je vous demande, il faut qu'on dise. Disons la vérité aux Camerounais, le mensonge n'est pas bien, on doit dire. Préziamo, il n'est pas traumatisé aujourd'hui. Je veux directement poser une question. Hein? Préziamo n'est pas traumatisé. Bonjour, Dorcas. Bonjour, Sandra. Bonjour, ça va? Ça va, ma chérie, comment tu vas? Ça va, tu vois que Facebook ne doit pas nous diviser. Non, non, ça ne peut pas nous diviser, ma chérie. On a tous notre parti qu'on va créer. Ça ne peut pas. Voilà. Tu vois que ma vie. Toi et moi, là, c'est jusqu'à la gare. On se cogne d'abord, après, on va s'asseoir, on boit les bières. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on veut aussi que la politique doit être. C'est ça, non, nous, maman. Est-ce que ça doit être la guerre? Ça ne peut pas être la guerre. La guerre. Il ne faut pas mettre les dents. Regarde, les gens ne doivent pas mettre les dents. Après, on s'assoit quelque part, on boit les bières. C'est ça, c'est comme ça la vie. Les gens qui le savent, même le couple, en couple, on se clash, non. Et le soir, on fait l'amour. On dit que le mariage, c'est le seul combat que les deux ennemis dorment sur le même lit. Ça, c'est clair. Donc, vous bagarrez, après vous dormez sur le même lit, vous êtes obligé de dormir sur le même lit dans la même maison. Voilà, c'est clair. Donc, ma Dorcas chérie, tu sais que moi je t'aime. Tu sais qu'il n'y a que toi, avec toi, qu'on va créer notre parti. On va sauf créer le parti, la veux ou pas? Voilà. Mais l'autre jour, tu étais tellement fâchée contre moi. Non, je n'étais pas fâchée contre toi parce que je ne voulais pas que tu viennes me dire que Dorcas laisse. Parce que je connais comment tu fonctionnes. Si elle te donne la parole, tu allais venir me dire que non, Dorcas, tu allais venir m'étouffer. Je ne voulais pas que tu m'étouffes. Maintenant que je suis calme là, tu peux parler, comprendre. Parce qu'elle savait que tu allais venir dire que Dorcas, c'est comme ça que tu fais. Quand tu vois que je vais me lever, tu dis non, Dorcas, laisse, tu m'étouffes. Je ne voulais pas que tu m'étouffes, Sandra. Je savais que si elle te donnait la parole, tu allais venir me casser. Ah oui? Oui. Je savais que c'est ce que tu allais faire. J'ai dit que tu manques. Tu vas d'abord laisser, je finis ce qu'il veut faire. Après, on va parler. Mais il y a maintenant le problème, si Sandra, tu me suis. Attends d'abord, on n'a pas fini. Moi, je dois te féliciter. Ok, je te félicite. Maintenant, je comprends pourquoi on dit souvent que les Bagantés, là, c'est l'Inkwa de l'Ouest. Je comprends beaucoup de choses parce que tu as montré ta force de frappe. Adama, je te respecte désormais, Dorcas, parce que tu. Quand tu as pris la parole, tu as dit que tu es électron libre. Oui. Donc, tu n'as pas de team. Non, je n'ai pas de team. Et pour ça, franchement, je te tire un coup de chapeau. Tu as compris, hein? Oui, j'étais fâchée après toi, mais je peux te dire qu'au jour d'aujourd'hui, là, je ne suis plus fâchée. Au jour d'aujourd'hui, là, il te sert au café. Okay. Parce que j'ai compris ta force de frappe. Donc, je te respecte. Mais tout ce qu'il peut te dire, c'est que Lolo, c'est ta soeur. Tu as compris. Mais je ne veux plus les affaires de team, la Sandra. Je ne veux plus ça. Oui, ne fais plus les team. Non, tu n'as même jamais fait les team. Ça met trop les problèmes. Après, quand tu donnes ton avis, les autres ne sont pas d'accord. Comment être insulté partout dans les faux profils. Et moi, quand on m'insulte, je veux me défendre. Et quand je me défends, je le fais de la pire des manières. Ça sort comme ça sort. Le reste, là, on voit après. Parce que moi, je suis très polie à la base, je suis très respectueuse, mais quand je suis attaquée, je sais me défendre. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il te dit que tu sais, tu es ma soeur. Lolo, c'est ta soeur. Tu as compris? Mais elle m'a offensée. Elle m'a offensée. Elle a laissé ses gens m'insulter dans les faux profils. Tu sais, je vais te dire quelque chose, Dorcas. Tu ne peux pas arrêter les faux profils. Non, tu sais ce qui m'a énervé, ce n'est même pas ses faux profils. C'est le live que la Marlène a fait et elle commentait en bas. Ça m'a blessé. J'ai dit non. Elle ne peut pas me faire ça. Je suis venue sur Facebook pour la soutenir. Elle
elle, on me clash, elle pas commenté en bas. Elle argumente. Elle dit que oh, je suis avec toi jusqu'à demain, je te donne le passeport à camerounais. Elle est en train de me ridiculiser. Non, peut-être que ce n'était même pas. Tu sais, Facebook est bizarre. Non, Sandra, je connais ce qui s'est passé. J'ai vu. C'est pour ça qu'elle te dit alors que Lolo, c'est ta sœur. C'est bien parce que maintenant, là, chacun va connaître son couloir. Chacun va connaître qui est qui. Le respect va s'imposer. À autre chose. Et moi, je te dis merci beaucoup. Merci, passe à autre chose. Tu as compris. Je suis passée, Sandra. Je suis passée. Voilà. Et je te remercie pour ça. Et te dis vraiment merci. Un grand merci. Maintenant, alors, pour le problème qu'il y a sur la toile, là, Paréré et moi, je ne vais pas l'appeler Paréré. Non, pardon, n'appelle pas par son nom, maman. Il y a les plaintes au Cameroun. Je ne connais moi personne au Cameroun. Pardon. Oui, je vais l'appeler alors président. Président, c'est voilà. Pas le nom de quelqu'un. Si voilà. C'était Paréré, c'est comme le diminutif de son prénom. Tu comprends? Oui, ce n'est pas un nom d'insulte. Non, moi, je vais appeler président. Moi, je ne vais pas dire Paréré. Ok. Je vais dire président. Ce que tu dis, Dorcas, c'est la vérité. Tu as vraiment suivi Facebook. Parce que Facebook, à l'époque, je dis bien à l'époque, hein, parce que ce qui se passe là, au jour d'aujourd'hui, là, ce n'est plus les clashs. Hein. Mm-hmm. C'est à l'époque qu'il y avait les clashs. À l'époque. Ce qu'il y a là, maintenant, là, c'est le fuma-fuma. Ce n'est pas les vrais clashs. Les vrais clashs sont finis depuis. Mm-hmm. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, c'est du réchauffé. Ce que tu dis, c'est la vérité que tout le monde est venu défendre son président. Merci. Ça, est-ce que tu peux nous dire ici sincèrement si Paréré est on peut dire qu'il est innocent dans ce problème? Dis ta vérité, Sandra. Non, personne n'est innocent. Hein. Voilà. Laisse-moi continuer. Je voilà. Te dis que personne. Je te dis que les deux ont fait du sale. Tu comprends? Voilà. Biper les Camerounais qui viennent comprendre la vérité. Biper les Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, il y avait, moi j'ai vu un mensonge organisé, il y avait près de 1000 personnes connectées. Partagez le live. Réveillez les gens du lit. Les gens doivent connaître ce qui s'est passé. Tu sais, Sandra, il y a beaucoup qui viennent arriver sur Facebook. Ils oui. Ne savent pas la genèse. Toi qui es depuis sur Facebook, explique-nous, ma soeur. Sois mais... honnête. Moi, puisque moi-même, j'étais dans laisse le fanatisme et sois honnête. Non, moi, je ne suis plus dans les teams. Hein. Moi, au jour d'aujourd'hui, là, je suis partout. Je suis avec toi parce que nous deux, on doit créer notre parti. Mais je ne fais plus partie des teams. Mais s'il y a un problème et que tu je vois qu'il y a un mensonge, je vais dire ce qui s'était passé dès le départ. Tu comprends, hein? Oui. Donc, en fait, Flore, elle vient sur Facebook. Non, pas qu'elle vient sur Facebook. Elle commence ce problème parce qu'elle défend son président. Parce que c'était la guerre des présidents. Sinon, elle n'avait pas un problème avec l'autre président. Mais comme elle a vu que son président aussi était attaqué, elle aussi, elle a porté son maillot pour aller jouer, pour défendre son président. Tu comprends? C'était ça à l'époque. Donc, c'était la guerre des présidents. C'est comme ça. Donc, quand Flore, en oubliant qu'en citant l'autre président n'a pas un sobriquet. L'autre président, c'était son nom de famille. Très bien. Et donc, ça commence comment? Quand le président de Flore fait interpeller compresseur au Cameroun. Ça prend feu sur la toile. Toi-même, tu connais ta soeur Banganté, tata Lolo, quand elle se met sur le podium là. Voilà. Elle donne le lait. Elle a elle fait comment à Paréré? Non! On n'arrive pas encore là-bas. C'est quand on porte. C'est président, l'autre président. Oui, elle a fait comment à Présiamout? Comment elle avait arrêté? Compresseur. Non, quand on arrête compresseur, je te dis que j'étais dans la team avec Tata Lolo, compresseur, nous tous, je faisais partie des TKC. Oui. Donc, c'est comme ça, quand on arrête alors compresseur au pays, compresseur appelle Tata Lolo.
Tata Lolo lance un direct et nous appelle. Il nous dit, venez commenter, on a déjà arrêté Compristo, c'est grave au pays. Elle commence alors à insulter le président des Beaux-Ailleurs. Voilà. Oui. Mais merci pour la vérité, Sandra. Aujourd'hui, au moins, je reconnais une jeune fille camerounaise, quand même. Mais, Dorcas, tu sais, moi, je dis toujours ce qui s'était passé à l'époque. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il était dit qu'au jour d'aujourd'hui, là, il n'y a plus les clashs sur Facebook. Même les teams, là, c'est fini. Il n'y a plus les vrais teams. Les vrais teams qu'il y avait à l'époque, là, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, c'est comme ça, alors que Tata Lolo lance le direct. Elle dit que c'est grave. On a déjà arrêté compresseur au pays. Et c'est comme ça que Maman Ministre appelle Tata Lolo. Mm-hmm. Tu connais Maman Ministre, non? Je connais elle Maman appelle, Ministre. Voilà, elle appelle Tata Lolo en direct. Elle dit à Tata Lolo que qu'est-ce qui s'est passé? Tata Lolo l'explique. Elle dit que non, elle connaît quelqu'un. Mais tellement c'était fort. Pour Maman Ministre ne pouvait rien faire. C'est comme ça alors que le président de Compressor arrive. Il montre aussi sa force de frappe. Il va enlever Compressor là où Compressor pour sa convocation et tout et tout. Le président de Flore alors, voyant que non, ça ne donne pas. Maintenant aussi, Compressor aussi et son président. Le président de Compressor aussi décide maintenant alors tout ce que Flore avait dit sur la toile avec Virus Lydia. Mm-hmm. Lui aussi maintenant, il décide de porter plainte. Et sa plainte donne pourquoi? Sa plainte donne parce que c'est son vrai nom de famille. Très bien. C'est pourquoi sa plainte donne. Sinon, si Flore avait dit Paréré, la plainte... Ça ne pouvait jamais donner. Ça ne pouvait jamais donner. Et pour Compressor ne donne pas parce que Prezi Amout, ce n'est jamais son nom. Son nom. Et elle ne disait même pas Prezi Amout. Elle disait toujours Torti Ninja. Elle avait un nom qu'on lui a donné, Torti Ninja, ou le président des Beaux-Ailleurs. Voilà. Donc, elle ne disait jamais Prezi Amout. Et donc, Compressor s'en sort alors parce que la plainte que Prezi Amout a portée, ce n'est pas son nom. Ce n'est pas Il son ne nom. S'appelle pas président des Beaux-Ailleurs. Voilà. Ce n'était pas son nom. Donc, Flore arrive au Cameroun. On interpelle Flore. Lorsqu'on interpelle Flore, c'est déjà au niveau des présidents. Le président de Flore n'a pas pu faire quelque chose. Déjà, parce que c'est le nom de la personne qui est dedans. Voilà. Déjà, il ne pouvait pas. Et de deux, il n'était pas au pays. Il était en France. Tu comprends? Et c'est comme ça que Flore dort en garde à vue. Parce que les gens qui oublient, Flore a dormi en garde à vue. Elle a fait une garde à vue au Cameroun. Pour cette histoire. Pour cette histoire de président, du président, le président de l'autre côté. Oui. Oui. Et les photos viennent nous trouver sur la toile. Tu as vu les photos circuler? Les photos viennent nous trouver sur la toile. On nous montre comment Flore est désespérée au pays. Et on lance les directs. Et on lance les directs. Nous aussi, nous sommes contents qu'on a déjà arrêté Flore. Comme on avait aussi... On est parti chercher Compressor, déposer... Donc, pour nous, on s'est dit que non, maintenant on est quitte. Mais au moins, on a une longueur d'avance parce que Compressor n'a jamais dormi en garde à vue. Parce que le président a réagi tout de suite. Tu vois, non? Voilà, et c'est comme ça que Flore est condamnée. Il y a l'amende à payer et tout. Maintenant, le monsieur aussi... Quand Compressor commence les problèmes avec Tata Lolo, je ne sais pas où c'est. Pour ça, là, je n'ai pas vu. Où bon, maintenant, quand Flore arrive au Cameroun, tellement l'affaire est sérieuse que quand on condamne Flore, Flore veut faire appel.
et elle fait l'appel, et je ne sais pas qui a conseillé Flore d'écrire l'histoire qu'elle a écrite là. Elle s'est dit qu'en écrivant comme ça, ça pouvait justifier le fait qu'elle a publié le monsieur. Elle voulait prouver que non, elle a l'habitude de faire ce genre de choses avec ce monsieur. Peut-être c'est quelqu'un qui l'avait conseillé comme ça pour qu'elle sorte de ce problème. Est-ce que ce n'est pas son président alors? Non, moi j'ai dit que ici là, tu sais qu'elle avait écrit une. Après là, quand on l'a condamnée, elle a fait appel. Et quand tu fais appel, tu dois dire pourquoi tu crois que la décision du juge n'est pas fondée. Tu veux que le juge rouvre l'enquête et investigue un peu plus. Et tu dois donner les arguments. C'est là où elle sort donc la lettre là que Mandon du Canada a lu en direct. Donc je ne sais pas qui avait conseillé Flore d'écrire un truc comme ça là. Et en écrivant ça, ce n'était pas qu'elle voulait faire du mal encore à Paréré. En écrivant ça, ce n'était pas qu'elle voulait, elle voulait sortir sa tête de cette histoire. Quand elle a fait appel. Quand tu fais appel, tu dois bien écrire quelque chose. Peut-être les gens lui ont dit que non. Écris comme ça là. Ça peut justifier les raisons pour lesquelles tu as fait ces montages de vidéos. Ça peut justifier que non, tu faisais déjà ce genre de choses avec lui. Peut-être le juge peut revoir le dossier. C'est comme ça qu'elle écrit, donc elle fait appel, elle écrit la lettre que Mandon a postée. Mais quand elle écrit, ce n'est pas qu'elle est méchante. Quand elle écrit, ce n'est pas qu'elle veut mettre le monsieur dans les problèmes, elle veut sortir sa tête de cette histoire parce qu'elle était déjà dans un engrenage. Vous savez ce que c'est que 10 millions d'amendes? Si tu ne gères pas bien, tu peux aller en prison ou perdre même un de tes biens au Cameroun. Elle a joué le tout pour le tout. Et puis, son président pour qui elle était allée en guerre n'était pas dans les possibilités de l'aider. Non, il ne pouvait pas. C'est pour ça que je t'ai dit que le président, sa force de frappe, il ne pouvait pas parce qu'il y avait toutes les preuves. Il y avait toutes les preuves là. Oui. Même on ne sait pas si c'est le juge, l'avocat qui lui a conseillé de faire ça. On ne sait pas si c'est son président là même qui lui a conseillé ça. C'est ce que je t'ai dit. Est-ce que c'est son président qui lui a dit que fais appel? Fais appel et écris un truc comme ça là, ça peut t'aider. On ne sait pas. Ça peut justifier. Pour ça là, moi je ne peux pas donner. C'est ça que dit, on ne sait pas qui a vraiment conseillé à Flore, mais je sais que quelqu'un a conseillé Flore que écrit comme ça là, ça peut t'aider. Ça peut justifier les vidéos et les photos que tu l'as collées au corps. Ça peut justifier. Elle a cherché moyen à sortir sa tête de l'eau. Parce que quand tu te noies, tu tombes dans l'eau et tu es en train de te noyer. Même sur le serpent, tu t'accroches pour survivre. Oui ou non, Sandra? Ça, c'est clair. À la position que Flore était là, c'était une position très grave. Elle partait à Nebel comme ça. Mais malgré qu'elle a même fait appel comme ça, on a toujours rejeté. Maintenant, le monsieur a dit le moment là qu'il pardonne, il oublie. Mais ce que je ne comprends pas aujourd'hui, pourquoi ce rebondissement, Sandra? Non, peut-être que le monsieur a oublié là quand Flore a fait la paix avec Compressor. Peut-être avant Flore aussi non, avait déjà fait appel. De 5 ans, non. C'est une affaire au moins de 5 ans aujourd'hui. Non, ça ne date pas de 5 ans que Flore a été condamnée. Non, l'affaire là que Virus Lidja avait, c'était avant que le papa de Virus Lidja ne meure. Je me rappelle que le moment là, Virus Lidja est parti enterrer son père, elle rasait les murs. Elle avait peur qu'on va l'arrêter. Oui, ça là pour ça, oui. Mais je parle pour. C'est plus de 5 ans déjà. Quand le pardonné Flore. Quand le président a pardonné Flore, c'est, il n'y a pas 5 ans qu'il l'a pardonné. Mais lui-même, il a dit dans le live, dans la vidéo, que quand on l'avait condamné, il a demandé, il a décidé de pardonner. Il a même payé l'amende que Flore devait payer au tribunal de 300 quelque chose de 1000. Ça veut dire que c'était le moment là qu'on l'avait condamné. Sinon, on ne remettait pas le passeport de Flore. Sinon, on ne laissait pas Flore partir. C'est parce qu'il avait pardonné. Parce que Interpol avait déjà arrêté le passeport de Flore. Non, il a pardonné. Là, quand c'est Compressor qui lui dit que mon père laisse les 10 millions là, pardonne. Parce que j'ai déjà fait la paix avec ma collègue. Oui. Donc, c'est comme ça qu'il pardonne là. À part si je me trompe, hein. Mais je pense que c'est quand... Donc, je vais comprendre, Sandra, tel que tu expliques.
Donc, il venait de pardonner comme Compressor a fait la paix avec Flore. Quand Compressor a fait la paix avec Flore, tu comprends? Oui. C'est Compressor qui dit à son... c'est ce qu'il a dit dans le direct de la reine Mère Bio. Que Compressor lui dit que mon père, laisse les 10 millions là, laisse le problème là. Tu n'es pas à 10 millions près. Tu comprends? Et c'est comme ça, donc, dans le live de Messang, voilà, quand Messang avait fait le live pour défendre Flore, quand Flore était au pays pour son argent, il a dit que c'est une petite sœur et le président est parti parler là-bas chez Messang. Il a dit que non, c'est une petite sœur, moi je pardonne, j'oublie tout. Tu comprends? Mais je ne pense pas que ça date de 5 ans. Donc, je veux comprendre, Sandra. C'est à quel moment qu'il se rend compte que Flore a fait appel? Parce qu'il y a... Il ne comprend pas. Il y a quelque chose, il y a trop de Il se rend compte que Flore a fait appel, c'est quand il reçoit un coup de fil. C'est quand C'est récemment, si, ou c'est depuis. Parce que je ne crois pas que c'est maintenant que Flore a fait appel. Puisqu'il avait déjà dit qu'il pardonne. Moi, je ne comprends pas. Il y a trop de flou là-dedans. Ah, ça, moi alors, je ne peux pas savoir. Il n'y a que lui. Il découvre à quel moment que Flore a fait appel. C'est à quel moment qu'il découvre. C'est récemment, si, à ce moment que Flore est en train d'être traînée dans la boue, sur la toile, là où tous les dossiers top secret de Flore sont en train de voir le jour. C'est maintenant qu'il se rend compte que Flore avait fait appel ou c'est depuis. Ça, parce que tu n'as pas de problème à ce niveau-là. Parce que là, maintenant, on a traité le dossier. Est-ce que Flore est victime de la guerre des présidents? Est-ce que le père est innocent? Personne n'est victime parce que dans la guerre, je vais te dire quelque chose. Voilà, tous les coups sont permis. Tu comprends? Voilà. Quand on fait la guerre, si toi tu as l'occasion de me tuer, regarde Poutine avec l'Ukraine là. Mais c'est la personne qui envoie la demande. Tu n'as pas envoyé la demande. Tu me demandes de te prendre comme. Envoie la demande, je te prends. Tous ceux qui veulent intervenir, envoie la demande. C'est la personne qui tire en premier qui te tue. Voilà. Donc, à la guerre, tous les coups sont permis. Donc, on ne peut pas dire que telle est victime. Non. Les deux personnes, les deux leaders étaient en guerre. Tu comprends? Et c'était la vraie guerre. Hein? Et ça tirait à balles réelles. Hein? Donc, au jour d'aujourd'hui, là, on ne peut pas dire qu'il y a une victime. Non. Moi, je ne comprends pas. Toi, tu es entré, mais personne n'arrive à entrer, Sandra. C'est comme si l'option, là où je donne la parole aux gens d'entrer, je ne vois plus ça. Il y a les gens qui sont en train d'envoyer les demandes. Tu ne vois plus ça. Non, je ne vois plus. C'est parti, je te dis. Regarde un peu sur ton autre téléphone. Je ne vois plus. C'est parti. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, l'option là, est toujours là. Moi, je ne comprends pas. Il y a les gens qui envoient les demandes, mais je ne vois pas. Je ne vois pas, Sandra. Mais le problème, alors, à l'heure actuelle, comme a expliqué le président dans le direct de la reine Mère Bio, il a dit que maintenant, il faut que soit Flore, on vend les biens de Flore, soit Flore paye. Mais pourquoi ce rebondissement? Il y a trop de flou, Sandra. En tout cas, il n'y a que la justice. Pourquoi maintenant il se lève pour en découdre avec elle maintenant? Pourquoi? Ça, c'est la bonne question. Quelque chose s'est passé. Pourquoi il se lève maintenant? Parce que je ne crois pas que c'est maintenant qu'il sait qu'elle avait fait appel. Parce que quand on te condamne, elle a été condamnée 5 ans auparavant. Je crois que c'était en 2015. Qu'on l'avait condamné. C'est pas maintenant qu'on l'a condamné. Et quand on te condamne directement, tu fais appel. Tu n'attends pas 5 ans après pour faire appel. Mais et quand tu fais aussi appel tout de suite, on informe ton la personne avec qui tu as le problème tout de suite aussi, hein. Et pourquoi alors si on l'a informé tout de suite, pourquoi il n'avait pas dit à sa fille que on m'a déjà l'autre Flore a fait appel, mais sa fille allait faire le direct pour nous informer aussi. Il y a trop de flou là-dedans. Il y a quelque chose qui se passe, Sandra.
De toute façon, moi, ce que je peux te dire, entre en contact avec le président. Vous m'appelez sur le téléphone, parce que je ne vois même pas où je peux vous prendre. Ça veut dire que même si Sandra sort là maintenant, je ne pourrais plus la prendre. Moi, ce que je peux te dire, Dorcas, essaye d'entrer en contact avec Raymond Tchengan. Tu as compris? Moi, je vais entrer en contact avec lui comment? Non, pour savoir quand est-ce qu'il a, que l'appel a été fait. Essaye de comprendre. Comme ça, tu reviens, tu nous fais le direct. Tu vois, non? Parce que là, maintenant, on a traité le premier point, on a traité le deuxième point. C'est le troisième point là qu'on est calé. À quel moment il a su que Flore a fait appel? Est-ce que c'est là maintenant qu'il découvre? Ou alors il connaît depuis, mais il n'a rien dit. C'est maintenant qu'il vient, il vient faire sortir ça sur la scène publique. On vous comprend. Est-ce qu'il était au courant avant? Avant de faire le direct avec la reine Mère Bio, je pense que oui. Depuis quand il est au courant? Parce que je ne crois pas que c'est maintenant que Flore... Alors, depuis quand il est au courant, ça, je ne peux pas affirmer. Je ne connais pas. Pour ça, là, je ne peux pas dire des conneries, là. Je ne connais pas. Mais je pense qu'avant de venir faire le direct avec la reine Mère Bio, il était déjà au courant. Ça, c'est clair. Il est au courant puisque c'est lui qui donne le papier à celle-là de lui. Oui, appelez sur le téléphone parce que je n'arrive pas à prendre. Mets le numéro alors parce qu'il n'y a pas le numéro. Il y a une personne qui dit attends, je la rappelle. Elle m'a envoyé le message. Ah, je comprends pas. Le allô? Problème là. Allô. Oui, ma chérie, comment tu vas? Bon, je vais très bien, merci. Oui, tu as la parole, ma belle. Ok. Donc, moi, je voulais dire, c'est quoi la question de ta bocasse? Maintenant, on est en train de demander que, est-ce que c'est maintenant qu'il a su que Flore avait fait appel, ou il a su, ou il connaît depuis des années? Et pourquoi c'est maintenant qu'il se lève pour venir encore soulever cette histoire? Alors que lui-même, moi, il dit qu'il avait pardonné. Mais, je vais répondre. Je sais que d'après la loi, quand on te condamne, oui. Quand il y a une décision de justice, oui. Tu as un temps limité pour faire appel. Si tu ne fais pas appel pendant ce temps limité, peut-être 60 jours, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça dépend. Merci. Je ne sais pas exactement combien de jours on a au pays. Voilà. Donc, il y a un temps limite pour faire appel. Donc, généralement, je crois maximum, c'est 2 mois. Ce généralement. Voilà, 60 jours. Donc, et dès qu'on fait appel, la partie adverse est directement informée. Voilà. Ça veut dire que si on avait... Mais tout ça s'est passé depuis des années. Ça veut dire que si on a condamné Flore 5 ans avant et elle a fait appel 2 mois après, ça veut dire qu'il connaît qu'elle avait fait appel depuis plus de 4 ans, il connaît. L'affaire, là, oui, il connaît. Il ne peut pas ne pas connaître. C'est impossible, quand même. Ça fait des années. Il ne faut pas qu'on prenne les gens pour des stupides. Ce n'est pas parce qu'on est sur Facebook qu'on va nous prendre pour des moutons. Et en plus de cela, quand Flore réclamait son argent en janvier, qu'elle réclamait son argent à Amoud en janvier, Paré avait dit qu'il a pardonné à Flore. Oui, c'était voilà. Dans le direct de Messin. Oui, elle a fait un direct dans lequel elle s'est prononcée solennellement. Elle a dit qu'elle voulait vraiment demander pardon à ce monsieur. Elle a toujours demandé, même sur Facebook. Elle a toujours demandé. Elle a dit ça. Elle avait dit ça au pays. Elle a dit que vraiment, c'est à cause de ce couple-là même qu'elle se met dans les problèmes comme ça, qu'elle demande pardon à ce monsieur. Et lui, là, il a accepté le pardon. Je pense qu'il soutenait même Flore. Quand Flore demandait son argent, il soutenait. Oui, ça c'est clair. Tu te rappelles, Sandra, que quand Flore demandait son argent, oui, il était dans le direct de... Parce que lui ne fait pas de direct, il était dans le direct de M. Messang. Et il a voilà. Dit que... Oui. Il soutenait. Donc, il a dû avoir quelque chose. Et pourquoi donc ce rebondissement? Pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui a dit qu'il pardonne? Quand l'affaire s'est passée 5 ans avant, il les a toutes pardonnées. Il a pardonné à Virus Lydia, il a pardonné à Lolo, il a pardonné à Flore.
Pourquoi aujourd'hui? Ah, attends, hein, Dorcas, attends un peu. Il y a quelqu'un, il y a Dora là qui dit que le monsieur a été bien clair. Il a dit qu'il croyait que Flore avait annulé le procès. Voilà. Donc, lorsque Flore a demandé pardon, pour lui, il croyait que Flore a déjà annulé le procès de l'appel. Bon, moi, je vais demander quelque chose. Tu crois que Flore a laissé le procès de l'appel pour faire du mal? Il y a les gens qui ne maîtrisent pas les dossiers juridiques. Tu as compris? Peut-être que quand elle lui a dit que je te pardonne, Flore est rentrée en Europe se disant que le procès était classé. Oh, quand quelqu'un dit qu'il te pardonne, tu peux rentrer maintenant. Maintenant, alors, c'est à Flore d'appeler le tribunal alors pour dire que non, moi, je ne poursuis plus l'appel. Parce que, logiquement, Flore avait encore quel intérêt, puisqu'elle c'est elle qui était à risque. Elle avait encore quel intérêt à poursuivre alors qu'il y a tout contre elle. Et oui, la personne qui te porte plainte... Tu ne dis pas aussi que tu arrêtes la procédure, la justice suit la procédure. Hein. Voilà, est-ce qu'elle a su alors qu'il fallait qu'elle rentre encore là-bas? Elle s'est dit que si elle l'abandonnait comme ça, on allait classer. Oh, la justice ne classe pas. Non, la justice ne classe pas. Parce que je peux déduire que elle n'a pas laissé ça parce qu'elle voulait faire du mal au monsieur. Ce n'était même pas dans son intérêt. Son intérêt était que le monsieur la pardonne. Et que tu sens. Ouais. Parce que toute la douleur. Maintenant, il faut donc quoi? Il faut que Flore aille annuler sa procédure ou. Oui, soit elle appelle au Cameroun, elle prend un avocat, elle annule. Moi, je me dis que ce n'est pas négligence. Ce n'est pas parce qu'elle a voulu faire du mal au monsieur, parce qu'elle était en position de faiblesse. Donc, le pardon du monsieur, c'était l'idéal pour Flore. C'était sa seule porte de sortie. Et elle est venue à Mondo Vision, elle a remercié le monsieur. Elle avait encore quel intérêt? Donc, en fait, on va donc conclure en disant que c'est l'oubli. Oui, je crois que la négligence. Voilà. Parce que moi, je ne comprends même plus. On va voir. Parce que lui aussi, Non, le problème, c'est que Flore est en position de faiblesse. On doit le reconnaître. Tu comprends, non, Sandra? Oui, je comprends, Dorcas. Je te comprends très bien. Elle est en position. Quand tu es en position de faiblesse, il faut faire table rase. Tu demandes pardon et on quitte ça. Oui. Oui, tu fais profil bas. Et j'espère que. Parce que moi, je ne comprends pas. Tu as dit que tu as pardonné. Oui. Elle a même eu les problèmes de son agent. Tu es venu la soutenir. Oui. Elle n'a plus jamais parlé de toi. Des années, elle n'est plus jamais indexée. Elle a appris de ses erreurs. Moi, je crois que c'était... Elle avait fait appel parce qu'elle se disait que tu n'allais pas la pardonner. Elle a voulu sortir sa tête de l'eau. Elle était en train de noyer dans cette histoire. Quand tu te noies, même sur le serpent, tu t'accroches pour sortir. Ouais. Ça aurait été n'importe qui. La proposition qu'on allait proposer à la personne. En ce moment-là, alors, je pense aussi que, je ne dis pas que c'est vrai. Oui. Parce que si c'est qu'elle a fait appel 2 mois après, ça veut dire qu'elle était encore avec son président. Oui, elle était les mêmes. L'autre compositeur était toi avec son président. Non, chacun non, a respecté son droit. Je dis Flore. Oui, je ne dis pas, oui. Elle vient de se séparer avec son président. Non, elle était toi avec son président. Mais elle n'avait plus jamais clashé le père là. Non. Attends, je vais prendre quelqu'un d'autre. Tu peux revenir après, ma chérie. Allô? Oui, docteur, bonjour. Bonjour, ma chérie. Comment tu vas, maman? Oui, je vais bien, merci. Oui, je vais juste vous donner une petite précision quand même. Oui. Quand quelqu'un vous porte plainte, oui. Elle a été... à verser 10 millions, monsieur. Il y a un temps pour faire appel, effectivement, comme disait la dame. Et ce temps, c'est 60 jours ou 2 mois. Ouais. Maintenant, on a fait appel très longtemps. Tout ce qui a été écrit, c'était, comme vous avez dit tout à l'heure, c'était pour se défendre. Oui. Mais ce n'est pas plan de stopper l'appel, c'est à ce monsieur d'arrêter la procédure. Oui, puisque c'est lui qui porte, voilà. Porte plainte. Flore a arrêté
décision. C'est à lui de dire la procédure s'arrête. Oui. On n'a rien à voir là-dedans. À ce monsieur, quand il a estimé avoir pardonné cette dame, c'est à lui de partir au tribunal et dire arrêtez tout. Il ne lui a pas pardonné au tribunal. Il lui a pardonné à mon autre vision parce que ça lui a demandé pardon. Oui, et il a dit que je les ai tous pardonnés. Il a dit ça à mon autre vision. On est en train d'envoyer les têtes de mort, envoyer les cœurs. Moi, je ne sais pas là où les têtes de mort sortent. On n'est pas en train d'insulter quelqu'un ici là. On est en train de comprendre ce qu'il se passe. On fait en direct là où on n'insulte personne, mais je ne comprends même pas les têtes de mort. Donc c'est ça en fait. Ce n'est pas à elle d'arrêter. Non. Il a pardonné parce que Fleur qui lui demande le pardon, et oui. Aussi, il vient et dit j'accepte le pardon. Fleur lui demande pardon après ses problèmes, il dit j'accepte le pardon. Mais il y a un truc qui est déjà en justice, c'est pas Fleur ne peut rien arrêter si lui ne pas dit que c'est lui qui a déposé plainte. Oui. C'est à lui d'aller au tribunal et dire j'ai pardonné à ma fille, j'annule tout. La peine que Fleur a fait, ça s'est passé deux mois, ça s'est passé comme ça les règles, c'est deux mois après. Mais le monsieur ne peut pas annuler la peine. Non, il peut annuler sa plainte à lui. Il ne peut pas annuler oui, la plainte. Oui, à lui, oui, oui. Pour voilà. Lui, oui. Voilà. Et non, on ne peut pas annuler son appel tant que lui n'a pas... C'était déjà une histoire qui était en cours. Quand il a donné le pardon, lui, en tant que père, dit, j'ai pardonné ma fille. Il a dit verbalement. Mais il n'est pas parti. Il n'est pas reparti au tribunal. Il dit, voilà, il y a une histoire qui est en cours, qui me concerne avec elle, avec ma fille. J'annule tout. On aurait appelé Flor tout de suite derrière. Il dit, autre, le monsieur qui vous a... Mais maman, est-ce qu'elle avait encore l'intérêt à faire du mal alors qu'elle était en position de faiblesse? Elle ne pouvait pas. Non, il était au courant de l'appel deux mois après la condamnation de Flo. Ça veut dire qu'au moins quatre ans en arrière. C'est à lui de partir au tribunal si j'arrête l'appel. Lui, il n'a rien fait. Il a la l'appel sur son cours en fait. Je ne pense même pas qu'elle maîtrise ses histoires de tribunaux puisque non. Elle ne maîtrise rien. C'est à lui que lui qui a porté plainte. C'est à lui d'aller dire je stoppe l'affaire. Parce que même si Flo annule l'appel, elle est condamnée à payer 10 millions. Est-ce que lui s'est rétracté au tribunal? Non. Donc il a dit que je lui pardonne à mon dos. Il y a Lucie là qui dit que le monsieur a tout annulé la procédure. C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas vrai. Ça, je ne peux pas. Moi, je n'ai pas de preuve. Hein. Je ne peux pas confirmer ou ne pas confirmer. Hein. Il ne s'est pas désisté. Voilà. Il devrait se désister, il l'a pas fait. Il ne s'est pas désisté. Il se serait désisté. On aurait averti Flor que votre monsieur, le monsieur s'est désisté. Est-ce qu'on fait quoi avec votre appel? On continue? Je ne pense pas qu'elle aurait dû. Eh non. Non, elle ne pouvait pas. Est-ce que c'était dans son intérêt qu'elle dit que oui, on continue, alors qu'il y a tout qui l'accable? Voilà. Elle n'aurait pas pu. Et comme je dis, elle s'était défendue. Personne n'est sain dans cette histoire. Personne n'est sain dans cette histoire parce que ce monsieur, moi j'ai suivi Bruce hier, ce qu'elle raconte hier, là, quand elle raconte que oui, le monsieur, c'est elle, parce que c'est elle qui a pardon, qui vient bien, donc après ce monsieur m'a dans une terre. Et puis elle a dit ok, ça c'est sûr. Elles sont toutes pareilles. Elles ont fait du sale. Elles ont fait du sale. Et lui-même, il était un protagoniste de cette histoire. Lui-même, il n'était pas seul dedans. C'était une guerre, en fait. Hein. C'était une guerre. Voilà. Et quand on ne se mente pas, soyons quand même cohérents. Quand elle dit, quand ce monsieur dit, quand le virus a dit hier, quand le monsieur entre en contact avec elle, c'est elle qui dit au monsieur qu'elle a la nudité de Fleur. Puisque c'est elle. Comment tu ne peux ne pas avoir des affinités avec un monsieur et qui lui parle de nudité? Soyons quand même logiques. Je ne peux pas rencontrer quelqu'un que je n'ai jamais vu ni dans la tête dans une conversation de nudité ou de sexe. Aussi facilement comme ça. Facilement, un monsieur aussi respecté et respectable, soyons quand même logiques. Tu ne peux pas dire que quelqu'un te contacte pour la première fois, tu lui dis j'ai la nudité de soi parce que c'est ça qui est avec le vent. Arrêtez quand même. À un moment donné, soyons logiques. Ça veut dire qu'elles avaient quand même des affinités. On est en train de faire un bon live comme ça. Vous n'envoyez pas les stars. Vous voyez même les stars, non? Il est minuit passé. Ils viennent travailler comme ça là pour rétablir la vérité cadeau. Envoyez les stars, dis donc. On ne connaît pas. Avec quelqu'un qu'on a fait l'affinité. Un monsieur aussi respectable ne peut pas se mettre à parler de sexe avec une fille comme du russe. Je suis désolée.
Merci et bonne journée à vous. Merci pour ta brillante intervention. Si tu vois encore les zones d'ombre, reviens. Tu reviens encore nous éclairer. Tu as vu que cette dame nous a beaucoup éclairé, non? Donc, oui. Ça veut dire que quoi? Quand on a condamné Flore, tu as 60 jours pour faire appel. Ça veut dire qu'il est au courant depuis plus de 4 ans. Mais pourquoi c'est maintenant qu'il se rend compte que ça lui fait mal au point de venir encore resoulever cela à Mondovision? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en qui est cas, derrière ça? Non, c'est pas forcément qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière, hein, en fait. Pourquoi il se lève alors maintenant? Il dit que sa famille a souffert de ça, ses enfants ont souffert. Il a pensé aussi à Prezi Amot. Parce que Compresso aussi a fait du sale avec le nom de Prezi Amot. Est-ce qu'il a aussi pensé à la famille de Prezi Amot? Parce que Flore l'a touché, comme Compresso aussi a touché son adversaire. Président a été traîné dans la boue. La guerre et les deux tiraient à balles réelles. À balles réelles. Pourquoi aujourd'hui il va venir dire que non, sa famille a été touchée et la famille d'Amoto aussi qui a été touchée par la personne qui te soutenait. Il y a eu des dégâts collatéraux. Tu n'as pas seulement été victime. Ton adversaire aussi a été victime de ta team. C'était une affaire de team. Avec chacun a un président. Et la seule perdante dans cette histoire, celle-là même qui a tous les problèmes et qui ne dort pas aujourd'hui, c'est Flore. Parce qu'elle a eu, elle a fait l'erreur de venir à Mondovision clasher le monsieur avec son vrai nom. Oui, et acheter un problème qui ne la concernait pas. Tous les problèmes que Flore de Lille a sur la toile aujourd'hui, comme ça, là, c'est qu'elle venait acheter les problèmes qui ne la regardaient en rien. Elle achetait les problèmes des gens. Des gens. Voilà. Aujourd'hui, les gens là sont tranquilles chez eux, ils dorment, Sandra. Elle est en train c'est de répondre toi, de ça. Dans la vie, jours. Madocas, il faut toujours mourir que pour toi-même. Pas pour toi. Barbeau avait dit quelque chose. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ça va la poursuivre jusqu'à. Ça va la poursuivre jusqu'à. Parce que elle a acheté, on doit dire la vérité, elle doit acheter les problèmes des gens. Elle entrait dans les combats que ça ne la servait à rien. Quand je vois un peu l'affaire de Lady Ponce avec son mari, elle se levait un matin comme ça. Quelqu'un avec qui elle était bien, elle a acheté le problème. Commençait à entrer en clash avec son frère du même village. Et pourtant, Dieu Cyclone n'avait rien fait à Flore. Hein. C'est ça que je dis. Elle avait quel intérêt à acheter ce problème? Problème. Quelqu'un qui était son frère du village. Et on achète même les problèmes des couples. Quand tu vois un couple faire des problèmes, tu ne prends pas de parti. Tu les dis seulement arrêter. Point bas. Tu as vu. Maintenant, elle a déjà fait les voilà problèmes. Voilà, maintenant, elle a les problèmes avec Prezi Amot. Qui va maintenant l'aider à payer les 10 millions là? Prezi Amot est tranquille chez lui. Mais je pense que si comme Raymond Tchengong a expliqué qu'ils n'ont pas trouvé de bien à son nom au pays. Donc, ce qu'elle peut faire, c'est de signer un papier et de dire que voilà, en Europe, je ne travaille pas. Ça veut dire qu'on a même investigué pour connaître un de ses biens pour saisir au Cameroun. Tu as vu le rouleau? Il a bien expliqué que soit Flore va faire la prison lorsqu'elle va arriver au Cameroun et Interpol va retirer son passeport. Donc, si elle ne paye pas les 10 millions, elle peut faire la prison. Ou alors, Flore signe un papier et dit que voilà, tous les mois, je peux vous donner 1000 francs. Ou 2000. Il y a quelqu'un qui a dit que Madoka, c'était le passé. Flore a beaucoup appris de ses erreurs. C'est vrai, mais ce sont le passé-là qui est en train de ressurgir. Parce que tout ce qu'elle est en train de subir maintenant, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, c'est ce passé-là. C'est ce passé-là qui est en train de ressurgir. Et il y a l'autre qui demande qu'il va nous expliquer. Tourisme là, explique-nous papa.
Appelle, non, appelle. Le numéro, c'est le plus 1-346-255-0819. Plus 1-346-255-0819. Appelle, tu nous donnes ton avis. Appelle mon frère. Mais jusqu'ici, je crois qu'on est en train de bien, on est en train de bien décrypter, non? Flo ne peut pas aller en prison si elle signe un papier qu'elle rembourse tous les mois 1000 francs. Bonjour ma belle, comment tu vas, Loumès? Loumès. Ça va très bien, maman, ça va. Merci vous. Ça va. Ok. Est-ce que je peux t'intervenir dans le live ou te faire? Oui, ma chérie, vas-y. Le problème que tu es en train de résoudre ce matin, là, c'est un problème qui date, hein. Comme tu dis, là, c'est un problème qui date de plus de 20 ans. Oui. Quand on se pose la question de savoir, c'est pas que moi je suppose l'eau de lui, quoi que ce soit. Aujourd'hui, là, on est en train de regarder, de rétablir la vérité, en fait. Oui. Il est venu te plaindre que vous, il a été insulté, il est pendu sur la toile et puis et tout. Ça, c'est bien vrai. À l'époque, c'était des teams qui étaient en train de. C'était la guerre des teams et des présidents. Bon, le vrai problème est que il a porté plainte à Flo Deli au Cameroun. Flo Deli a été au Cameroun, on l'a interpellé, on a pris son passeport. Ils ont résolu le problème. Pourquoi aujourd'hui ce problème surgit encore quand Flo Deli, ça surgit encore quand Flo Deli est harcelé sur la toile. Voilà. On ne se sent quand tu comprends. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose. Et en plus, il a dit ceci dans le live de Mandon du Canada que voilà, il a pardonné tout le monde. Mais pourquoi il s'accroche sur Flo? Attends, il a pardonné tout le monde, mais c'est 10 millions. Flo doit se faire payer. Ça ne se comprend pas. Ça, ce n'est pas le pardon alors. Il a dit ça, ce n'est pas que j'invente. Oui, j'ai compris. Attends, ma chérie, je vais te poser une question. Mais dans le live de Messang, lorsque Messang soutenait Flo pour son agent de tontine, il avait dit qu'il pardonnait Flo et il laissait les 10 millions, que Flo, c'est sa petite soeur. Vrai ou faux? Voilà. Mais maintenant, chez Baba, il dit qu'elle doit payer. Oui, Madame Sandra, je suis très d'accord avec toi. Mais et pourquoi Chebabalé, il va donc dire que Flo est obligé de payer ses 10 millions? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose. Ce changement. Ce changement tout d'un coup, en fait. Moi, je ne supporte pas Flo de Lille. Regardons dans la réalité des choses, en fait. Moi, je ne suis pas en train de... Je ne suis même pas de la team PDG parce que vous avez pour idée que quand quelqu'un vient parler... Non, chacun donne son avis, maman. Aujourd'hui, là, ce n'est pas les problèmes. Hein. Aujourd'hui, là, on est en train de trouver, vouloir comprendre parce que personne ne connaît le vrai problème. On veut Sandra, comprendre. Tu peux revenir après. Lomès, tu reviens après. Il y a beaucoup de gens qui veulent aussi intervenir, ma chérie. Tu peux revenir après. Bisous, ma chérie. Oui, appelez, j'ai libéré la ligne parce qu'il y a plein de monde qui me fait. Maman, ton téléphone de l'autre côté. Coupe ton téléphone, ma chérie. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, bonsoir. C'est moi qui viens de vous écrire que je vais vous expliquer là. Voilà. Vas-y, mon frère. Oui, explique-nous, papa. L'avantage, déjà, vous savez, il y a des moments dans la vie où on appelle ça « tous tes ennemis se dévoilent ». Je vais d'abord commencer par là avant d'aller au niveau de la loi. Oui. Du moment où, vous savez, on est dans un pays, au Cameroun, c'est un pays où il n'y a pas d'abord d'enquête, il n'y a pas de justice. Vous comprenez un peu. Et tout ce qui se passe là, c'était une affaire de guerre. Et une affaire de guerre où il y avait beaucoup de personnes qui étaient impliquées. Parce que Flood ne s'est pas levé d'après les témoignages de Virus un matin pour l'insulter pour rien. C'était une guerre de team. C'était une guerre de team. Et dans une guerre, quand on porte plainte, on appelle tous les témoins avant de faire de donner un jugement selon la loi. On ne prend pas juste le plaignant et l'accusé. Non, il y avait les preuves. C'était la diffamation avec vidéo à la fin. Il avait les preuves parce que Flore avait cité son nom. On n'avait pas besoin de témoins parce que la vidéo était derrière le témoin.
sais de quoi je vous parle. Okay. Il y avait des preuves, mais il y a ce qu'on appelle des témoins dans toute affaire juridique qui peuvent vous concrétiser les preuves, qui peuvent vous donner une raison. Non, on demande les témoins lorsqu'il n'y a pas de preuves. Mais lorsque tu as une preuve avec une vidéo à l'appui, quel témoin encore? On a besoin de quel témoin? Vous avez bien écouté ce que Bélissa a dit. Je lui dis que c'est un montage fait par elle. Vous comprenez? Vous avez écouté ce que Bélissa a dit dans son témoignage de la reine Mérindou. C'était un montage fait par elle à cause d'une guerre de clans. Vous comprenez un peu? Oui. Voilà. Bon, maintenant, Flor de Lille, le monsieur a dit dans le live de Madame Babalé que Flor de Lille, il a pardonné tout le monde, mais Flor de Lille doit payer 10 millions. Vous comprenez un peu? Pourtant, chez Messan, l'autre jour, il a dit qu'il laisse tout tomber. Il a dit le contraire. On ne comprend pas alors pourquoi ce changement. Il va aller très loin parce que Flor de Lille, dans un live, a commencé à dire c'est mon président. Après l'avoir demandé pardon, elle a commencé à le vanter. Oui, je me rappelle qu'elle avait dit que le seul président de la diaspora, c'est lui. Oui, je me rappelle. Il est valable, c'est le président de Compressor. Oui. Oui. Au point où, au Cameroun, je crois qu'ils étaient chez Guylaine Chapi, ou bien je ne sais pas trop, ils étaient ensemble, ils étaient pas, mais ils avaient dit quoi qu'ils étaient tous au Cameroun au moment. Et je ne sais pas pourquoi les gens se dérangent pour Flor. Tant que Flor ne se prononce pas, Flor, vous savez, Flor a un avantage que Dieu lui a donné. Elle est couverte par la loi française. Écoutez très bien ce que je vous dis. Flor est couverte par la loi française. Mon frère, laisse ça. Oh, en Afrique, les Français vont en prison. Mon frère, si, il y a plein de gens aussi qui veulent interdire. Les Français sont emprisonnés dans le monde entier. Même les Américains sont emprisonnés dans le monde entier. Tu ne peux pas dire ça. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de manigance. Tu ne peux pas dire ça. Il n'y a pas de manigance. Tu ne peux pas dire qu'un Français ne peut pas aller en prison au Cameroun. Ce n'est pas vrai. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Tu peux revenir, mon frère. Tu peux revenir. Tu peux continuer à appeler. Franchement, dire qu'un Français ne peut pas aller en prison au pays. Comment tu peux dire ça? Même les Américains. Si là, il y a la loi française, tu commets un délit, tu réponds. Il n'y a pas de quelle loi française. Il y a eu une vidéo à la plus diffamation, insulte et diffamation. Allô? Bonjour. Bonjour, ma belle. Comment tu vas? Ça va, maman. C'est pour intervenir dans le live parce que depuis j'écoute les lives, je suis sidérée. Aujourd'hui, Flor, c'est la mauvaise personne, c'est le diable. À écouter cette Sandra Menga qui se parlait partout avec le nom de Flor. Flor, c'est la plus mauvaise. Avant, il y avait des teams. C'est Nathalie Babalé, aujourd'hui, qui fait la surprise. Attendez, madame, vous m'accusez là. Dorcas, depuis que je suis entrée dans ton direct, j'ai parlé mal de Flor. Sandra n'a pas parlé mal. Elle est en train de partir. Elle dit, elle rétablit la vérité. On voit des choses. Ce n'est pas parce qu'elle parle aujourd'hui qu'elle ne fait rien. Non, maman, parlons pour aujourd'hui. Non, on te parle d'aujourd'hui. On ne te parle pas d'hier. Oui, vas-y, ma chérie. Nathalie Babalé, je la vois hier dans le live avec Virus Lydia. Elle paraît étonnée. À la base, elle était venue derrière Flor parce qu'elle avait des problèmes avec ses soeurs du Canada. Donc elle est venue se réfugier derrière la team de Régis pour qu'on la soutienne. Oui. Elle a porté Flor haut. Tout ce que Flor faisait, après il y avait des fêtes, c'est elle qui dansait, c'est elle qui portait Flor. Aujourd'hui, c'est Flor la méchante. Le bon, ils font maintenant comme s'ils n'étaient pas avec Flor. Alors que tout ce monde était avec Flor, ils applaudissaient Flor avant. Les maris la rose. Aujourd'hui, Flor, comme ils sont plus avec Flor, ils font comme s'ils n'étaient au courant de rien. Oui. Il y avait un problème de team. Partagez le live, partagez. On est en train de rétablir la vérité. Partagez dans les groupes, partagez partout. Vas-y, ma chérie. Il y a eu des dommages collatéraux. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que le président de Compressor ne disait pas Compressor d'arrêter? Voilà. Non, la seule erreur qu'elle a faite, c'était de prononcer le nom. C'est ce que j'ai dit. Compressor faisait pareil avec président. Elle a fait même plus pire, même. Elle a fait plus pire. Pourquoi aujourd'hui ça ressurgit? Parce que ce monsieur Raymond avait déjà pardonné à Flor. Oui. Pourquoi est-ce que Nathalie Babalé ne fait que remuer la boue parce qu'elle veut la tête de Flor? Pourtant, elle va à tout prix. Elle va à tout prix. Tout ça.
Donc, épingle un peu ton numéro de téléphone, s'il te plaît. J'éteins. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a un quel numéro avant, ton numéro, ton numéro, les gens veulent l'appeler. Mets ton numéro. Voici ça, la dame en train de parler dessus. C'est pas possible. Flo, on dirait que c'est le diable en personne, alors que tout le monde ici, sur la toile, a insulté. Lolo a insulté aussi les gens. Elle a fait du mal. Tout le monde a fait du mal. Mais arrêtez. Quand vous voulez que quelqu'un change, il faut arrêter de l'acculer. Si vous voulez que Flo change, il faut aussi arrêter de l'acculer. Elle est attaquée de partout. Pourquoi vous voulez? Comment elle va changer? Même dans la Bible, c'est comme ça. Il faut pardonner pour que quelqu'un change. Si vous êtes toujours en train de l'acculer, elle ne va jamais changer. Elle va toujours se défendre. Moi, je suis venue derrière Flo à cause de l'acharnement envers elle. Moi-même, je n'aimais pas Flo avant. Mais trop d'acharnement, ça suffit. Dorcas, il ne faut pas dire que l'autre a fait pire. Je te dis que les deux ont tiré à balles réelles. Ce que la dame veut dire, c'est que ce n'est pas seulement Flo qui a fait. Les deux camps ont fait fort. Les deux étaient en guerre. Les deux camps étaient en guerre. Donc, les deux camps ont tiré à balles réelles. Tout le monde applaudissait. Pourquoi aujourd'hui, ils font comme s'ils n'étaient pas avec Flore avant? Ils étaient avec Flore. Dorcas, il faut épingler ton numéro. Épingle-le plutôt. C'est elle qui faisait des fêtes à l'honneur de Flore. Quand Flore insultait les gens, aujourd'hui, elle s'en lave les mains. N'importe quoi. Merci, maman Dorcas. Vraiment, cette affaire-là, c'est trop. Quand on veut que quelqu'un change, il faut pardonner à la personne au lieu de l'acculer tout le temps. C'est pas normal. Merci, au revoir. Yeah, merci, ma chérie. Merci d'être passée. Épingle le numéro. Oui, maintenant, je peux prendre les gens dans le live. Je suis revenu. On s'est revenu. Oui. Okay. Oui, c'est revenu. Je peux prendre les gens maintenant dans le live. Je voulais juste aller dans le même sens que la dame qui vient de raccrocher au téléphone là. Oui. Aujourd'hui, tout le monde parle de Flore. Mais à l'époque là, c'était des guerres, les guerres de clans, les guerres de présidents, les guerres de position à cette époque là. Et beaucoup de gens qui sont en train de se plaindre aujourd'hui ont alimenté cette guerre là. Bien sûr, on est là. C'est pour ça que je dis que quand il faut peut-être même qu'on fasse la paix, quand il faut qu'on passe sur des choses, il faut quand même qu'on rétablisse la vérité et que chacun reconnaisse son tort. Parce que ce que les gens sont en train de faire là, ça ne va pas arranger les choses. Ça ne va pas. Parce qu'on veut juste condamner un camp. Virus Lydia même, ok, j'apprécie sa démarche. Elle a décidé de dire la vérité. Mais sauf que je n'apprécie pas le fait qu'elle dise la vérité. Mais elle veut se dédouaner, elle se dédouane. Alors qu'à l'époque là même, Flo la soutenait plutôt, puisque c'est une fille qui avait eu des problèmes avec compresseur. Elle avait eu des problèmes avec compresseur. Elle a été exposée. On a mis ses vidéos nues. On a mis sa photo nue. On a mis sa nudité sur Facebook. Moi, je me souviens ce soir-là, on a eu mal. La fille a failli craquer. C'est Flo qui vole à son secours. Mais aujourd'hui, Flo est devenue la mauvaise personne. Aujourd'hui, elle dit que c'est Flo qui lui avait dit de dire que c'est telle personne. Elle ne reconnaît pas qu'en ce moment-là, si elle n'avait pas aussi eu le soutien de Flore, elle pouvait tomber. Parce que la fille, elle était enceinte, elle était presque à terme. Elle pouvait craquer comme ça. Donc, moi, je voulais dire que j'espère que toutes nos sœurs blogueuses, nos grandes sœurs blogueuses qui sont sur la toile vont apprendre de leurs erreurs. Que ce soit Flore, que ce soit Lolo, que ce soit Compressor. Elles se sont déchirées pour les gens. Aujourd'hui, elles sont fâchées. Regarde par exemple Flo aujourd'hui. Flo est en train de payer le prix fort. Plaisir à monter tranquille chez lui, alors que ça cause. Tranquille. À l'époque. Mais c'est ce qu'on a dit, donc, parce que personne ne doit acheter les problèmes de l'autre. Chacun doit mourir pour ses propres problèmes. À l'époque, Compressor combat Flo et son président. Et c'est devenu chaud sur Compressor. Lolo aussi entre dans la bataille. Elle vient soutenir Compressor et le président en question. Lolo insulte le président à mot copieusement. Elle lui donne le nom de Tortue Ninja. Elle fait tellement, ils,
elles sont tellement allées fouiller dans la vie de président Amode et sa femme au point où le président même. Amode, lorsque président Amode porte plainte à confesseur au pays. Oui, tout ça c'est la même chose, maman. Tout ça c'est la même chose. On est juste en train de parler de ce qui se sont fait mutuellement. Lolo a tellement fouillé dans la vie de ce couple au point où elle est même allée contacter l'ex de Jaguar. Abonnez-vous massivement à la page. Elle voulait faire parler l'ex de Jaguar dans son direct. Tout ça, c'est le mal, Madame Sandra. Tout ça, c'est le mal. Parce que tu vas même contacter l'ex d'une dame pour qu'il vienne parler dans votre direct. Pour montrer mais à quel point ma chérie, on a dit tout à l'heure que les deux étaient en guerre. Vous voyez donc tous les coups sont permis. Donc, justement, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça qu'on est en train de dire que, maman, qu'on est en train de condamner, condamnons tout le monde. Et oui. J'espère que nos soeurs, j'espère que nos grandes soeurs vont retenir des leçons. Ouais. Qu'on n'achète pas les problèmes des gens, que ce soit Lolo, Compresseur, Flo, c'est des gens qui n'avaient pas de problème à la base. Elles achètent les problèmes des gens et elles s'entretuent pour ça. Elles s'entretuent jusqu'au jour où voilà, la vérité. Jusqu'aujourd'hui, ça ne finit pas. Jusqu'aujourd'hui, ça les suit. Alors que quand elles sont en train d'acheter des problèmes, elles sont vues comme des bonnes personnes. C'est comme ça. Nathalie Babalé, comme la dame a dit, quand elle entre dans la team de Flore, elle, moi je me souviens, elle appréciait tellement les abeilles. Elle disait que grâce aux abeilles, elle dort. Parce qu'avant d'entrer dans la team de Flore, qu'elle était accablée. Mais pas tout ça s'est passé, c'est Elle a dit qu'elle prenait même les antidépresseurs. Que grâce à la team de Flore, elle dort aujourd'hui. Parce qu'elle croyait qu'elle allait mourir. Elle a tellement chanté les louanges de Flore. Mais aujourd'hui, c'est devenu que c'est Flore qui lui donne la dépression. Alors que c'est une dépression qu'elle a depuis 10 ans. Vous croyez que c'est normal? Yep. C'est ça. Non, moi, c'est ce que merci j'avais à dire. Merci pour ton intervention, ma chérie. Il y a beaucoup de gens qui voulaient. C'est ce que j'avais à dire. Ok, merci. Oui. Sors alors, parce que je ne sais pas c'est qui. C'est ton nom, c'est qui? Non, je sors. D'accord. Oui, ma chérie, tu as la parole. Hein. Envoyez les demandes. Bonjour, maman d'enfance. Bonjour, ma belle. D'abord, excuse-moi, maman Dorcas, je voulais d'abord parler à Sandra. Maman Dorcas, tu fais descendre tout le monde, mais tu laisses Sandra. Sandra n'est pas modératrice, donc on dirait qu'elle descende aussi, parce qu'elle est toujours en train de contredire les gens à un moment. Qu'elle fasse aussi, si elle veut faire son direct, pour prendre les gens, ou alors qu'on écoute seulement elle, qu'elle fasse son direct elle-même. Bon, ça, c'était... Ma chérie, tu es venue ici là pour moi. Pour tout le monde, Sandra, parce que... Tu es venue pour moi. Parle ta chose, tu parles. Je reste chez Dorcas. Dorcas, c'est ma sœur. Donc, oui, elle et moi, donc, on a une société ensemble. Donc, tu ne peux pas m'enlever ici. Voilà. Ok. Bien, maman, est-ce que, parce que tu as une société, hein, maman, Dorcas, ça veut dire que tu dois... Non, tu fais ton live. Tu vas, tu ouvres ta caméra. Je ne fais pas le live. Dorcas fait le live à ma place et je viens, je m'assois. On n'est pas en train de parler de votre société pour dire que tu dois être à la réunion au comité. Non, tu pars. C'est comment? Je ne pars pas, ma. Je ne pars pas. Ils vont quitter. Tu es là, tu dis que je ne pars pas. Je parlais quand j'aurais envie. J'ai dit que je ne pars pas. C'est comment? Tu arrives chez quelqu'un, tu t'installes, tu enlèves les choses. Bonjour, maman Dorcas. Tant que je n'ai pas encore vidé les derniers biens, je ne pars pas. Tu ne sais pas que quand on vient à la fête, tant que les biens ne finissent pas, on ne part pas. Bonjour à tous les participants de la TKC. Elles sont en train de discuter le positionnement. Laisse-les finir de discuter le positionnement. Oui, ma soeur, je te dis que ici, là, c'est que tant que les biens ne finissent pas chez Dorcas, je ne parle pas. Quand on va boire la dernière bouteille avant de bouger. Je veux boire la dernière bouteille, manger le dernier morceau de porc avant de partir. Elle a déjà mangé. Maintenant, elle demande le pyjama. Non, pas chez toi, sors. Maman, je dors chez Dorcas. Je n'ai pas de maison. Mais bon, Sandra, tu n'es pas sérieuse parce que tu tires sur la TKC aujourd'hui. Bon, non, maman, je ne tire pas sur la TKC, ma. Aujourd'hui, c'est toi qui es la décateur. C'est le vrai décateur de Maman Pépé aujourd'hui. Non, je vous ai toujours dit que moi je suis sur Facebook depuis des années. Moi j'étais dans la team de compresseur. Moi quand Lolo était dans la team de compresseur, j'étais là-bas. Moi j'étais là et je faisais partie des gens qui étaient derrière compresseur. Tu bavardes trop pour rien, sors. Tu déranges. Je ne sors pas, ma. Donne d'abord la bière avant de partir. Si tu ne veux pas, tu ne pars pas. Tu as tout rien au Congo, ça pour insulter Flore et compresseur. Tu es là, Sandra. Ma, je ne quitte pas, hein. Parce que tous les commentaires sont là, Sandra doit partir. Je ne pars pas,
comme le matango. Tu fais tout, on lave les assiettes, tu es assise jusqu'à maintenant, tu dis que oh, est-ce qu'il y a le pyjama, ça, ça sort, va chez toi, c'est comment? Ma, je ne pars pas chez moi, est-ce qu'il y a d'abord une maison? Je dors chez, je dors chez Dorcas. Sandra, pardon, laisse-moi parler de tout. Maman Dorcas, je voulais revenir un peu sur le point de ce qui se passe là entre le monsieur et puis son intervention et l'intervention de Véus Lydia. Il ne faut pas oublier que quand il y a eu les problèmes ici, là, il y avait des captures d'écran qui circulaient et des captures d'écran parce que Flore avait montré les captures d'écran que Virus lui avait envoyé entre sa conversation et le monsieur, là où le monsieur lui disait « Envoie-moi les photos. » Maintenant, je ne sais pas si ces captures d'écran étaient réelles ou c'était un montage. Toujours est-il que ces captures d'écran existaient et dans un live, Flore les avait montrées. Elle avait dit, voilà, regardez comment un monsieur, machin, truc et tout. Et c'est de là où ça part. Peut-être que, connaissant l'impulsivité de Flore, peut-être que quand elle a parlé avec Virus, Virus lui a montré, lui a parlé, lui a fait part de ça. Elle est directement venue faire le live parce qu'à l'époque, il y a ces nudes qui étaient dehors. Et il y avait, elle avait montré la capture d'écran dans le live en disant que regardez comment un papa peut aller, machin, truc et tout. C'est là où elle commence à parler de ce monsieur. Mais c'est faux. C'est faux, c'était un montage de Virus Lydia. Ok, aujourd'hui on sait que c'était un montage, mais à l'époque on ne le savait pas. Et je ne suis pas sûre que Flore. Virus Lydia avait fait un montage, hein, ma soeur. C'est ce que je dis, donc on est d'accord là-dessus. Maintenant, si c'était un montage, est-ce que Flore était au courant que c'était un montage? Parce que Flore, elle était dans ses problèmes. Maintenant, elle a quelqu'un qui vient lui dire que, écoute, voilà ce que le monsieur dit. Elle vient directement faire la vidéo. Ça, c'était le premier point. Maintenant qu'on sait que c'était un montage, est-ce que c'est alors à Flore qu'il faut s'en prendre? Ce n'est pas elle qui avait fait le montage, à ce que je sache. Bah, Parce qu'on veut se dédouaner, mais en remettant la faute sur elle. On est d'accord? Maintenant, concernant l'histoire de l'appel, on sait tous que Flore est très négligente. Et puis, c'est quelque chose qu'elle devrait revoir et bien s'entourer. Parce qu'on reprend, par exemple, le cas avec Gros-Nez. Quand elle a eu les problèmes avec Gros-Nez, elle a tout abandonné. Même Gros-Nez a dit qu'elle n'allait plus au tribunal. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec le monsieur. Elle a abandonné sans suivre le dossier, sans se rassurer qu'on avait tué le dossier. Exactement. L'avocat, lui, fait son travail. Ça veut dire qu'il veut avoir gain de cause. On donne une première, il y a une première sentence. Je peux encore prendre une personne. Envoyez la demande, une personne. D'accord, je vais te laisser, je reviens prendre une personne. Au revoir. Au revoir. Il y a une première sentence qui tombe. Ça, là, c'est ma secrétaire. Vas-y doucement avec elle. Hein. Non, maman, donc, elle sait pas. Quand elle a déjà mangé, elle part. Elle laisse aussi les autres manger. Elle veut tout finir. Donc, mange alors, on va pas la, les derniers os. Il y a une première sentence qui tombe. L'avocat fait son travail. Il fait appel parce qu'il ne veut pas en rester. Il ne veut pas perdre le procès. Maintenant, est-ce que Flore, elle est au courant de ça? Est-ce qu'elle sait ce qui se passe? Parce que Flore est très négligente. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Elle est négligente. C'est la même chose qu'elle a fait avec Gros-Nez. Et il y a même la dame, comment elle s'appelle, Aurore Angoula, qui est venue dire que effectivement Flore avait gagné le procès. Parce qu'elles ont voulu faire croire que Flore avait perdu ce procès. Parce que Flore avait dit qu'elle a gagné. Et elle a même refusé l'argent que Gros-Nez devait lui donner. Ce que Aurore Angoula a affirmé après. Parce qu'au départ, même Aurore Angoula disait que non, Flore ment. Flore, c'est une menteuse. Mais Aurore Angoula est venue dire après, quand elle a eu les problèmes avec Gros-Nez, qu'effectivement, Gros-Nez a perdu le procès et on a demandé à Gros-Nez de payer même jusqu'aux frais d'avocat de Flore. Mais Flore, derrière, elle a négligé, même ça, elle a négligé. Hein. Elle a dit, ah non, machin, truc et tout. C'est une fille négligente et je crois que c'est ce qui va causer sa perte. Elle est en train de la rattraper aujourd'hui. Voilà, parce que même ce qui se passe aujourd'hui avec l'autre. Ma chérie, il y a une personne qui parle. Dès qu'elle finit, vous allez parler. Vas-y, ma chérie. Je demande, oui, je attends, excusez-moi un peu, je veux parler. Je demande, je prie les gens, les abeilles de Flore, de ne pas insulter par rire et par. C'est ce que je voulais dire, ça n'aide pas. Je prie les gens de Flore, de la team de Flore, de ne pas insulter, comment s'appelle même le monsieur, de ne pas l'insulter, de ne pas l'insulter. Personne n'a le droit de l'insulter. Compressor est là, Compressor peut parler avec lui et. Il peut vous arranger avec les Amérique, Amérique, tous, ils se parlent. Moi, ce que je veux dire. Guylaine est très proche de lui. Moi, même Guylaine, que Guylaine, compresseur, si et puis Amérique, Amérique. Il peut vous parler à monsieur Lesse.
Parce qu'il avait dit qu'il pardonne, il faut qu'il pardonne. Nous sommes les enfants d'un même pays. Elle a commis l'erreur et elle a demandé à Mondovision que elle s'en excuse, qu'il l'excuse et il passe à autre chose. Mais oui. Maman Dorka, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que je ne comprends pas. Est-ce que le monsieur, il n'est pas dans l'émotion? Parce que j'ai l'impression que lui aussi, il aime bien les émotions. Non. Attendez, laissez-moi parler. Excuse-moi, ma chérie, tu as trop parlé toi aussi. Excuse-moi, ne dis pas que le monsieur est dans l'émotion. Non, je ne vais pas te dire ça, tu ne peux pas t'accepter ça. Angèle, je ne sais pas si c'est Angèle qui parle. Attendez, il y a une personne au téléphone. Attendez, parle aussi. Oui, vas-y, ma chérie. Bonjour. Allô. Oui, bonjour, Dorcas. Bonjour, ma belle. Je veux juste intervenir dans votre direct. Oui, ma chérie, tu as la parole. Vas-y. Donc, en fait, ce que je tiens d'abord à dire, c'est que quand il s'agit de Flore, vraiment, Sandra est la personne la plus mal placée pour diriger votre direct, parce que elle n'est pas du tout objective. Même si aujourd'hui, elle a essayé de faire, elle a essayé de faire semblant, mais il y a des moments où c'est clair que tout ce qui va à l'encontre de Flore de Lille... Non, Sandra a changé, elle a changé parce qu'elle Non. Ma chérie, tu parles de tout ce qui va à l'ensemble de Flore de Lille. Sandra, parce que même Sandra compresseur, changé, compresseur elle insulte, elle tire sur compresseur. Oui, même si elle tire, mais de temps en temps, ça ressort, c'est mon impression, c'est ce que je constate. Elle tire sur les deux. Pour Nathalie Babalé, déjà, non, oui, elle tire peut-être sur les deux, mais quand elle est entrée, quand elle a commencé, quand elle est arrivée dans le direct, la première des choses, c'était quoi? C'était que Lolo est ta sœur. Lolo est ta sœur, c'est déjà pour montrer que tout ce Attends, Lolo est la sœur de qui? De Sandra, hein? Oui, oui. Bon, je vais laisser ce côté-là. Bon, pour Nathalie Babalé est très, très mal placée pour parler de Ah oui, oui. Je suis d'accord avec toi, ma chérie. Parce que déjà, elle était dans l'équipe de Flore de Lille et elle était présente quand tout cela se passait.